très très heureuse de dans la nocturne. Ah oui, c'est le week-end, c'est la peine du week-end. Est-ce que vous nous entendez? Zoom out, fais un petit zoom out peut-être, non? Ok, c'est bon le chat, trip. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut, hein. Salut le chat. C'est le dernier jour de la semaine, j'espère qu'on va avoir des... dernière nocturne de la semaine. Hein. On yes. est full moche. Ah, le son est dégueulasse, apparemment. Tom Non, mais Tom. Le week-end de la nocturne. Suce ton père. Ouais, tu as toujours un petit peu des franches camaraderies avec... Tu sais, avec les régisseurs, faut garder le bon contact. Est-ce que c'est mieux le son, là? Il me fait on s'entend moins, déjà. Si c'est pas mal. Pas mal. Ouais, mais eux, ils ont dit que c'était dégueulasse. Ok, mais est-ce que le viewer est heureux, là? Est-ce que le son va bien? Dites-nous tout. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la dernière nocturne de la semaine. C'est ça. Et la dernière pour moi, avant un petit moment. Ouais, là, tu as un big week-end, toi. Ouais, comme ça. Tu stream quand même demain ou pas? Demain je serai là, ouais. Demain je serai demain, là toute la journée et après je serai là. Il y a un mec qui t'a dit Black Queen, il m'a dit Black Queen, tu cites toi. Bah écoute frérot, on va essayer. Hein. je vais essayer de me manger trois menus grecs. Peut-être que je mourrai d'indigestion. Je serai là pour finir les restes, tu veux. Alors du coup, hashtag planche à pain sur Twitter. En vrai, trois menus, je pense que je peux les taper. C'est vrai? Ouais. Avec les gens, les trois cordons bleus dedans? Avec Split et tout, genre. Déjà deux, tranquille. Trois, je pense, c'est moyen. Putain, j'ai super faim là. Ça, bon, bref, voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez nous appeler, c'est sur le lien en bas. Du coup, ce connard, il se fait attraper. Et ouais, tiens, il y a Lulu qui veut te support. C'est un ouf. Bon, Jackson, comment vas-tu? Jackson, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça va bien? Nickel. Ok, Jackson. Ouais, Jackson, t'as eu des nouvelles de Benjamin? Bonjour. Ah oui, Benjamin, alors, il a dit quoi? Il a rien dit, pas merde, dit. J'ai oublié de piler. Il lui a pas dit, Jackson. Bien sûr que je veux pas lui dire. Jackson, il va pas lui dire. Faut garder le secret. Mais oui, parce que là, Benjamin, on peut le rappeler ce soir et avec une nouvelle voix de meuf, il va pas capter. Mais avec le même prénom, tu vois. Genre, tu dis, ouais, c'est Marine. Ouais. Il va dire, ah ouais. Tu peux pas envoyer le message hier. Enfin bref. Sacré Benji. Ouais, sacré Benji, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a du bon ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui... Ouais, il y a un peu de monde là, ça commence à slack. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais Benji il est con, mais pas à ce point, je pense. Mais Benji, si on le rappelle, on fait passer l'un de vous et vous êtes là en mode ouais, ma meuf est à appeler, blablabla. On peut faire ça comme ça. Et le pauvre, en fait. Faut qu'il se rende compte que c'est un prank. Moi, je m'en occupe, je pub en attendant le live, j'ai oublié. C'est bien. T'es quelqu'un d'assez raisonnable. C'est ça. J'essaye de l'être. Voilà. Par contre, j'ai bien prendre à chaque fois des petites photos de PFUT. Oh non, t'as encore pris là. Bah, je vais la prendre. Tu feras une petite pause. Voilà, PFUT. C'est bon. PFUT, c'est merci. C'est grâce à ça que ça pue bien du coup. Je sais pas, à chaque fois je vois ta tête, tu me fais ta tête payer des barres. C'est juste ça, en fait. J'espère que c'est flatteur tout ça. En vrai, ouais. Enfin, moi je le dis bien dans le bon sens. Après, je sais pas ce que mes vieux followers en pensent, mais. Et oui, Mehdi, est-ce que tu es là ce soir? Nous avons besoin de toi. Allô, Mehdi? Mehdi, nous avons besoin de ton. De ta chaleur. Alors, attendez, il y a Logoré qui a resub pour 12 mois, donc il a dit son message. Un an, wow, amazing. Jacob, bouge ton cul à stream perso, j'ai des resubs à annoncer à Logoré. Logoré, t'es mon petit frérot. C'est vrai que ça fait très très longtemps que je vois ce pseudo. Ah, Logoré, c'est mon petit frérot depuis quand? Depuis... Waouh, un truc de ouf, quoi. Très bien. Jackson, est-ce que tu as un premier appel? Okay. Vas-y, balance! Hey, Jackie, on a pas grand chose à raconter, visiblement, aujourd'hui. Des qui? Hein? Qui c'est qui a pas grand chose à raconter? Nous. Si? Ah ouais, t'as des trucs à raconter? Moi, je viens de sortir de ma première partie de poker quand même. Ah bah vas-y, raconte alors, excuse-moi. Donc, première partie de poker qui a été faite juste avant sur la TV1. J'avais jamais joué au poker de ma vie. Je pense que j'ai un petit potentiel de bluffeur qui est pas mal, tu vois. Et ouais, t'es arrivé en finale quoi. Ouais, j'étais en finale. Et vu qu'il y avait la nocturne, j'ai all-in, j'ai fait nick. Ouais. Et j'ai perdu sur la dernière arcade qui a été tirée. Mais ouais. Ouais, c'est dommage. Ouais. Tu savais ce que t'avais dans les mains ou... Ouais, en gros c'était le premier qui avait une suite entre moi et Kamel qui gagnait. Il a eu la suite, je l'ai pas eu. Ah, quel dommage. Ou alors il me fallait juste une dame. Mais sinon t'aurais gagné. J'aurais eu une dame, j'aurais gagné, il a eu la suite, il me fallait un roi pour égaliser, j'ai pas eu. Merde, c'est con ça. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'était pour préparer la nocturne, tu vois, je suis arrivé un petit peu. Voilà, tranquille.
Puis j'aime bien. Non, c'était sympa. Et d'ailleurs, il va y avoir d'autres lives, dont un dont je vais faire partie. Et ce sera. Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire, hein, mais ce sera sur de la belote. Voilà. De la belote contrée. C'est quoi ça? C'est un jeu qui joue à 4. Ouais. Et en fait, t'es avec un partenaire, donc c'est 2 contre 2. Ouais. Et en fait, le but, c'est de faire le plus de plus possible en annonçant. Par exemple, en fait, t'auras 8 cartes et t'auras une majorité de. Enfin, je vais dire ça vraiment en gros. Hein. En majorité de pique, tu vois. Et tu vas dire annoncer combien je vais faire de plis à pique. L'autre t'annonce son jeu, etc. Et puis il faut faire tous les plis et arriver à un certain nombre de points. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment. Enfin, c'est une bataille, mais avec un peu plus compliqué, quoi. Il y a aussi un jeu que j'aime bien, c'est celui. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est le jeu où il faut arriver à 21, mais pas dépasser sans t'as perdu. C'est le Blackjack, ça. Ah oui, c'est ça. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais, aussi, ouais. Genre, des fois, c'est facile à faire, ouais. C'est bluff, bluff. Et au dernier moment, RER ! Oh, 25. Pfff, chier. Chier. Ouais. Sinon, j'aime bien le Quems. Non, la belote, ouais. C'est bien. Quems, c'est bien. Je suis vraiment sur ce Quems. La belote, c'est en Corse, c'est le sport national, je crois. Toi, tu joues pas aux cartes, non? Bah, la belote, je croyais que plus personne joue à ça, moi. Si, si. C'est, toujours. Mais toi, bon, tu vois quoi? C'est vrai que c'est peut-être un jeu. Moi, je suis un mec du poker. Moi, t'es un mec du poker. C'est bien. C'est vrai que poker. Toi, t'es un mec des paris sportifs. Tu vois. C'est dur à master. Moi, je suis un mec aussi. Interdit de casino et tout ça, tu vois. Wow. Ah, c'est vrai que t'es parti au casino, toi, non? Ouais. T'es pas parti avec Zach? Non. Non, c'était pas avec Zach, c'était qui? C'était pas moi. Non, je suis pas parti exact. Ah, tu dis parti où dans la photo? Je m'en rappelle plus alors. T'es pas casino? Ah non, j'étais. Mais t'es sûr que si tu parles de moi là? Ouais. Ah bon? Toi avec. Je suis parti au casino, mais je suis pas parti avec des gens d'ici, donc c'est pour ça que tu. Ouais, du coup, en fait, je t'ai vu dans une autre photo exact. C'était peut-être pas le casino alors. C'était peut-être un five. Five, ah, five casino, c'est un peu. Ouais, c'est un peu le même délire, tu sais, c'est un petit peu underground dans une cave. Ah, yes, vas-y, ramène-le. Ah! Allo! Allo! Hey! Comment ça va? Allo, allo? Ah, on t'entend plus. Ah! Ok, merci à toi, mon pote. Ah! Allo, allo? Un plaisir, vraiment un plaisir. Tu nous entends? Allo! Est-ce que tu m'entends? Ouais, allo! Bah voilà, on parle si tu nous entends! Ah, il voulait que tu fasses juste ton allo. Ouais. Comment vas-tu? Ça va? Tranquille, toi. Comment tu t'appelles? D'où ah, tu ça, viens ça, quel âge as-tu? Alors, je suis venu hier sur le live pour parler de mes problèmes en entreprise. Ah ouais. Oui, résume alors du coup pour le chat. Ah oui, t'es pas le graphiste là avec ton histoire de bac, c'est ça? C'est ça. T'as pas le bac? Ouais, c'est ça. À la SNCF, ouais. Ah, ça va ou quoi, mon frérot? C'est pire que tout. Par contre, je sais pas pourquoi, mais j'ai un gros écho en fait. Parce que tu dois avoir le live à côté, non? Coupe le live et tu n'auras plus l'écho. Ah oui, pardon. Ouais, c'est bon. Ah. C'est bon, c'est coupé. Voilà. Ouais, bon, okay. Génie, quoi. Alors, ouais, du coup, aujourd'hui, j'avais mon évaluation. Oui. Ouais. Et ben, je me suis tapé un gros 1 sur 20, sans aucune justification. Tu. Mais. Du coup, mais t'as réussi à parler à ton supérieur, là, qui te faisait chier? Bon. Bah, en gros, j'ai essayé de lui parler. Enfin, déjà, je suis arrivé, je voulais récupérer des fichiers pour mon rapport d'activité. Ouais. Elle m'a fait, tu n'allumes même pas ton ordinateur, tu récupères rien du tout. T'auras tes fichiers quand tu nous rendras tout, genre ton pass SNCF. What? Et en gros, je lui fais, mais je peux pas vous la rendre aujourd'hui, c'est mon titre de transport. Elle ouais. me fait, on s'en fout, si tu nous la rends pas, t'auras pas tes fichiers. Ciao. Je fais, ok. Et du coup, genre, j'ai même pas pu allumer l'ordinateur de la journée. D'accord. Mais pourquoi tu l'as pas rendu alors, connard? Mais parce que je peux pas, genre c'est mon titre de transport, je le rends genre dans une semaine, deux semaines. D'accord. Et ensuite j'ai attendu 14h30 mon évaluation, il y a mon prof et tout qui est arrivé. Mm-hmm. Elle a donné le dossier où il y avait toutes les notes à mon prof et elle s'est barrée. Ouais, elle te déteste vraiment quoi, genre c'est ah, le ouais. haine que... Ouais. Et du coup après j'en ai parlé à mon prof ouais. et... Il a fait nous on peut rien faire, on n'a pas le droit de regard sur comment l'entreprise elle note. Bon. C'est horrible. Ah ouais, c'est chaud. Mais y a pas moyen de faire appel ou quoi que ce soit là? Ah non, on peut pas. Genre sur ce truc, c'est y a rien à faire. Putain, mais après, c'est vraiment une grosse conne. Hein. Après un sur 20, ça se remonte en vrai. Ouais, ça fait ouais, chier ça quoi, surtout pour rien, genre, tu vois. Genre, en globalité. En globalité, sur tout mon bac, ça m'enlève 2 points. Bon, ça va alors. Ouais, en mais fait, ça c'est juste des points même... bonus, t'as pas eu des points bonus quoi, c'est ça? Bah non, c'est même pas une histoire de points bonus, c'est une histoire de points en moins. Genre, c'est comme si je commençais mon bac à 18 sur 20 au lieu de 20 sur 20. Ouais, d'accord.
Ouais, sauf que c'est pas sur 18 façon, toi, et c'est un, sur... Non, mais de toute façon, toi, t'es un garçon talentueux. Toi, c'est juste que du coup, au lieu d'avoir la mention très bien, tu vas avoir la mention gobelins, bien, quoi. Façon... Ouais, c'est ça, au lieu d'avoir 17, tu vas avoir 15, mais c'est bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, donc pour résumer, hier, en fait, bon, ils nous expliquaient que d'avoir 10, cette... tu vas avoir 8. Ah putain, tu m'étonnes, quelle horreur. Non, mais c'est ça. Ouais, et donc du coup, bon, pour résumer, ouais... J'ai un peu chaud, quand même. Hein? J'ai un peu chaud, quand même, genre, c'est stressant. Bah du coup, t'es noté sur 18. Ouais, mais si j'ai 8 au lieu de 10, mais... Bah, ça va, dis-toi que c'est mieux que moi. Moi, je partais, j'étais déjà noté sur 15, frère. J'étais en mode, bon, c'est compliqué. Hein. C'est un bac pro? Okay. Ouais, c'est un bac pro, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, bac pro, ouais, c'est non, facile. Non, non, ça c'est ça, un truc qu'on dit, genre, bac pro, c'est facile, mais ah, on a des facile. Matières, genre... C'est un délai. Ok, les matières générales, genre, mec, c'est, bac pro, c'est plus gros, facile. T'as pas vécu le bac pro, c'est dur. C'est... Non, mais... gros. Genre... Tous les gens pour casser des mythes, en gros, en bac pro, toutes les matières générales, c'est grave facile. Ouais. Mais les matières pro, c'est dur. Plus que dur, genre. Ouais, mais bon, quand bah... tu connais ton truc et tout. Ouais. C'est surtout que si t'as une connasse qui te met un alors que c'est pas mérité, tu m'étonnes que c'est un peu difficile. Ouais, déjà ça te. Ouais, mais toi, t'as mal joué déjà. Mais toi, si t'es con, t'as attendu qu'elle te mette un pour régler le problème. Déjà, fallait trouver son adresse hier soir déjà. Mais non, mais alors, on a le truc aujourd'hui, hier soir, fallait. Bah, hier soir, on lui a dit, mais non, t'inquiète, elle va te lyncher, mais pas trop. Ouais, ouais, ouais. Elle va pas te mettre zéro. Bon, ça lui a mis un. Bah, ça va, c'est pas ça zéro. Ça me ah, tiens, t'aurais trouvé son adresse hier soir. T'aurais sonné chez elle pendant qu'elle était en plein dîner de famille, tu vois, et qu'il y avait sa petite gamine qui était en train de manger sa petite soupe dégueulasse. Tu aurais fait bonsoir, madame. T'aurais dit bonsoir, je fais demain, n'oubliez pas que vous devez rendre mon dossier. Clin d'œil, clin d'œil. Tu serais parti. Mais non, mais et là, elle serait dit oh merde. Déjà, j'aurais sonné à sa porte, elle m'aurait insulté bien comme il faut. Non, mais t'as. Non, genre, ah non. Mais mec, tu l'aurais filmé, déteste, hein, tu vois. Genre. Non, mais non, parce que c'est un peu toi qui vas chez elle. Mais aujourd'hui, tu serais allé la voir plus tôt. Pas filmé. Ah, excuse-moi, hein, vas-y, n'hésite pas. Hein, fais comme pardon, chez toi. Excuse-moi. Non, mais c'est à ta prof qu'il fallait dire ça, c'est pas nous. Ouais, hein, j'avoue, tu sais, genre. Il me dit, ouais, j'ai pas filmé, c'est vrai qu'il fallait dire ça. Non, 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 mais en fait, j'ai pas filmé, mais par contre, j'ai enregistré en audio le. Le passage où elle me dit ouais si tu me rends pas tous tes trucs genre je te file pas ton ouais mais attends dossiers. Mais ça elle a enfin un truc légitime derrière elle peut pas dire ça pour rien tu vois bah si bah, c'est un genre fait... qu'il a encore une semaine de taf elle a pas le droit de lui enlever genre bah ouais ça fait partie des c'est comme si tu dis ouais donne-moi ton badge ah, ouais. Pour rentrer au ouais, ouais, bureau je... t'as pas le droit je croyais que tu avais fini déjà ouais. Ok je sais pas moi frère en vrai ouais, je sais pas mais c'est surtout que si tu peux pas faire appel ni rien moi ce que j'ai envie de te dire c'est de prendre contact avec les instances supérieures de la SNCF hein, mais non pour un défaut de un tour t'es ni mort pour mort et c'est au moins de la faire chier jusqu'au bout tu fais un blâme mais c'est ce que j'ai essayé de faire ce que j'ai essayé de faire genre je suis allé voir la commission d'éthique tout ça ouais mais rien que dalle genre ils disent on peut rien faire pour toi elle a trop un haut poste on peut pas l'attaquer je sais pas quoi nan, frère nan, si nan, tu veux taper contre la DRH aussi frérot tu cherches des problèmes toi frère tu sais il y a des gens quoi, avec qui vaut mieux être ami que ennemi hein après toi si t'as voulu être ennemi avec le boss du taf chaud frère ouais après tant pis c'est pas grave ça te fera une bonne expérience quand même, que je suis même hein. Au pire, en vrai, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais enfin, ça c'est pas grave, t'es noté sur 18, c'est bon, t'inquiète. Toi, tu visais le 15 sur 20, de toute façon. Je t'avoue que je visais plutôt le 10, hein, mais. Ah, c'est bon, le 10, c'est de l'eau. C'est bon, maintenant, il va falloir que tu vises le 12, c'est tout. De toute façon, elle peut plus changer sa note maintenant, elle. De toute façon, t'es dit. Attends, tu veux que je te donne en vrai. Frérot. Tu veux que je dise la vraie vérité de la life? Tu veux que je dise. Vas-y. Que t'es 10 sur 20 ou 10 sur 18, c'est pareil, faut juste que t'es 10. Ouais, ça c'était de la bonne punch. Bon, ouais. Ouais, merci, j'essaie d'être philosophique. Force à toi, gros. Ouais, merci, force à lui. Merci de nous avoir rappelé ces et informations. Puis, bah, tiens-nous au courant quand t'auras pas ton bac, du coup. Ouais. Ok. Ciao, frérot. Non, salut. Tu vas l'avoir, c'est bon. En vrai, tu peux pas avoir ton bac. T'es en bac pro. En vrai, si tu loupes ton bac, au pire, tu peux devenir mon graphiste bénévole, au pire. Ok, y'a pas de soucis. Salut Salut à plus. Ouais hier on le rassurait, il nous sort qu'il a eu un. Voilà, il essaie de le rassurer du mieux. Bah c'est fini là, tu veux rassurer quoi? Il a un frère, t'as un Ah c'est chaud quand même hein. Ouais, un c'est chaud. Genre un. Genre il le savait en fait. Non mais genre t'as un. Ouais, putain mais quelle horreur, tellement injuste quoi. Alors qu'il taffe à SNC pour qu'il lui mette un. C'était en alternance je crois il a dit, c'était pas un stage, c'était un alternance je crois il a dit. Ouais je crois.
Ouais. Un an de taf pour un 1. Ah, c'est... Genre, en gros, t'as fait quoi pendant un an? Bah, un. Juste parce que t'étais là, t'as vu? Putain, mais quel enfer, quoi. Oh la salope. En surtout plus, qu'on c'est... peut te virer d'une alternance, non? Donc un 1, ouais. Ça se justifie pas du tout. Non. Mais bon, déjà, pour virer un alternance, il faut vraiment avoir une sacrée gueule, quand même. Bah voilà, mais bon, si tu mets un à quelqu'un, c'est qu'il méritait des virer. Mais t'inquiète pas, hey, frérot, c'était encore sur le live. Moi, ce week-end, je prends le TGV. T'inquiète, et je vais te mettre bien, ok? Ah, t'as mis un? Bah, il y a un siège qui sera plus utilisable. Hein. Et l'aller et le retour, hein. Attention, hein, t'inquiète. Mon dieu, mais quelle horreur. Y'a quelqu'un d'autre, Jackson? Ouais, on a quelqu'un d'autre. Faut passe. Vas-y. Oula, t'as pas l'air. Parce que je sais pas si. C'est je sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Ah ouais. C'est peut-être Ronce. Laissez Ronce tranquille. Ouais, c'est vrai, Jackson, t'es un peu. Jackson, tu t'es un peu loin. Moi, j'aime bien Ronce. Tu l'aimes bien non, mais, non, mais Jackson, tu m'as l'air un peu transphobe, toi. Moi, j'aime bien. Ronce. Mais t'as reparlé ou pas depuis? Alors, transphobe, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien aussi son prénom. Ronce. Ronce, nous, on l'adore. De Flo, il aime bien aussi. Allo, allo. Oui, je vous entends. Hein? Ah, tu nous entends? Oui, je vous entends. Hello, my friend. How are you, my friend? Ça va bien, et vous? Ça va, merci. Bah alors, qui es-tu dans la vie? C'est le problème. Alors moi, je m'appelle Mr. Pingu, plus généralement sur Twitter, mais j'ai changé depuis peu de temps avec des problèmes de hack. Ah, Mr. Pingu, ah, ok. Mr. Pingu, on connaît ça. Ah ouais, moi je connais Mr. Pingu, moi. C'est bon, ouais. C'est bon, hein. C'est pas mal. Et non, ben bah voilà, du coup, petit coucou Eterna que je suis depuis un petit bout de temps. C'est vrai, depuis des années et des années. Ouais, non, mais si, je me rappelle de toi, je vois très bien ta pépé. Tu te fais suivre par beaucoup de gens, j'ai l'impression, toi. Il reste, c'est des gens solides. Le talk ça monte au cerveau. Le jour reviendra, le jour reviendra une vidéo sur sa chaîne YouTube, on y croit tous. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas mis de contenu. Mais là, bientôt, j'ai des idées, donc ça pourrait être cool. Mais bon, bref. Bon, pourquoi tu nous appelles, du coup, à part ça? Alors moi, je vous appelle parce que, en fait, j'ai pour projet actuellement de faire une sleeve, parce que du coup... C'est quoi? J'ai un gros problème de surpoids. C'est quoi une sleeve? Alors, c'est quoi une sleeve? C'est une opération visant à réduire la taille de l'estomac pour perdre énormément de poids, en fait. Ah, d'accord, ok, ouais. Parce qu'il est obèse, du coup il veut maigrir. Voilà, c'est ça. Ok. J'ai connu plusieurs personnes, mais qui l'ont fait. Du coup, bah, c'est un truc qui me rassure pas trop et je voulais savoir bah, ce que vous en pensez ou le chat, par exemple. Dans pas le chat. Surtout, demande pas au chat. T'es malade, toi, de demander au chat, frère. Toi, t'as pas dû suivre trop même les même nous, on veut pas le lire. Eh bien, moi, j'ai eu donc ma tante et... Cut comme son estomac, il a dit. Voilà le chat en quelques mots. Non, attends, juste, frérot, est-ce que tu veux que c'est pour quand l'opération? Bah là, actuellement, j'ai commencé les démarches, mais y a rien de fait, quoi. Ok, tu veux que je te donne mon avis avant que tu fais... Genre, si tu fais l'opération, voilà. Tu veux que je te donne un petit conseil avant que t'ailles la faire? Enfin, que t'ailles faire l'opération, ouais, du coup. Tente le giga tacos, frérot. Ah, c'était trop bon pour que ce soit sérieux. Parce qu'en vrai, que l'estomac sera plus petit, ça va être chiant à manger le giga tacos. Tente le giga tacos, frérot. Nique sa mère, après, nique ton estomac. Putain, mais tiens. Putain, ça me donne envie de giga tacos. Putain de merde, putain. Du coup, je vous laisse parler. Oh, pardon, excuse-moi. Du coup, ouais, donc ma tante l'a fait. C'est assez épuisant. Alors le truc, c'est que c'est vrai que le résultat est genre vraiment garanti, quoi. Il est content. Coup, genre, mais est-ce que tu... Parce que t'as essayé toutes les autres solutions et là tu dis qu'il y a plus que ça ou tu... Bah ouais, j'ai essayé pas mal de trucs, mais à chaque fois ça marche pas vraiment. Après, dans l'idée... C'est pas tes problèmes tous les jours, quoi. Ouais, après dans l'idée, il va falloir quand même que tu manges correctement, etc. pour que ça tienne, hein. Ouais, j'en ai conscience. Bah ouais, donc en fait il va falloir juste te dire qu'il faut de la rigueur après, etc. Quoi. Mais t'es vraiment gros. Bah pas mal, ouais. Genre pas mal. J'ai beau... bah, je voulais passer la C'est quoi ton poids pour ta taille, frérot?
Je fais 110 pour 1m66. Tu fais deux fois ta taille, enfin deux fois ton poids par rapport à ta taille quand même presque. C'est pas mal, hein. Deux fois, pas vraiment en fait. Bah si, plus 60. Ah non, ouais, du coup, là non. Parce que c'est 160, ouais, je suis con. Ouais, je suis con. Mais bon, c'est quand même. Mais attends, 1m60, 1m60 Oh ouais, je passe. 1m66. Ah oui, ah oui. Non, moi c'est 6 centimètres. Fais à peu près ma taille. Dans ma tête, c'était 1m86. Ah non, non. Ah non. Ah non. Non, non, non. 66. Attends. Ah ouais, mais t'es plus large que haut, toi. Bah, bon, c'est ça. Ah oui. Mais mec, en vrai, coup, t'as... C'est bien géant, quoi. Tu t'habilles comment, frère? T'achètes tous tes vêtements, en vrai? Ça, c'est compliqué, ça aussi. Dans un magasin, tu sais, genre. Spécialisé, non? Acheter des choses. Frère, ouais, frère. Et frère, c'est chaud. Et t'as essayé régime, sport, quelque chose? Non, rien à faire. Ouais, mais je fais du sport tous les jours de la semaine, en fait. Enfin, là, plus trop, c'est que je viens de me péter le poignet, mais. Rigole pas, enculé. Non, tu fais quoi comme sport, frérot? Là, je fais un art martial et des exercices chez moi. Mais même la diète que je vois me dit que j'en fais pas mal, du sport et tout, mais... Ouais, ouais. Non, quoi. Ah, ok, et donc c'est elle qui t'a proposé de faire ça? Non, j'ai pris l'idée via... Alors le truc, c'est que... Via ma mère qui compte le faire, ouais, mais... Ouais, d'accord, ok. Ok. gros, tu fais quoi comme art martial? J'ai du taekwondo. Ah, c'est trop bien, moi j'ai toujours rêvé d'en faire. Taekwondo, c'est... Faut lever la jambe quand même au taekwondo. Ouais, mais ça passe. Enfin, il y en a qui ont plus de souplesse, même s'ils ont un certain poids, je vois qu'ils vont venir. Il arrête pas de mettre des bruitages. Hé hey, gros, en vrai. Tu veux mon avis ou pas? Bah genre, moi... si. Même si je m'attends toujours que... quelque chose de sérieux. Moi je pense que t'as pas besoin de... T'as pas besoin tout de suite de faire ouais, du déjà, sport. Déjà, comment enfin, de faire l'opération. Commence à perdre du poids, on va dire normalement, entre guillemets. Mais il y arrive pas. Il y a toujours... Enfin... Je sais pas. Il y a toujours moyen de perdre du poids, non? T'y arrives pas dans quel sens? T'as bah, déjà essayé vraiment? Genre, le taekwondo, c'est un sport, mais pour moi, c'est pas quoi. Un sport qui va te faire maigrir. Non, ouais, si tu veux maigrir, tu fais de la marche. Genre, ouais, vu ta corpulence, tu vas à la salle, tu fais. Ou juste, tu marches dehors. Tu marches une heure par jour. Là, en vrai. Que rigoler, monsieur. Je pourrais dire de courir, frérot. Et s'il va faire 300 mètres, il va mourir. Marche, tu fais de la bonne marche. Et. Parce que là, ça sert à rien de. Parce que non, mais un art martial, t'aideras pas à maigrir, frère. Non, mais pour maigrir, tu fais pas un art martial, tu fais un truc pour fondre, il te faut du cardio. Pourquoi tu veux taper? Tu vas fond. Va vivre en Afrique. Mais on fait pas que taper, hein. Non, mais je sais bien, mais frère, je sais très bien, mais c'est pas pareil. Tu fais juste de la marche, et en plus, la marche, t'auras pas de courbature. Ou si tu peux, si tu vois que t'arrives à courir, tu cours. Par contre, il te faut des chaussures comme moi. Genre moi, j'ai des chaussures, des running shoes, tu vois, avec des gros talons pour pas que tu te niques les genoux. Et la piscine, et voilà. C'est vrai, la piscine, ça peut être bien, ça aussi. Ouais, ça doit être cool aussi. Piscine, en plus, ouais, pas de courbature ni rien. Ouais. Ouais, ça arrive, donc j'essaye ça. Ok. Et du coup, moi, je voulais te dire, bah, si tu veux vraiment faire ton opération. Tu te dis de toute façon que ça va être pour ton bien et tu vas être super heureux après du résultat, etc. Donc forcément, c'est genre juste, c'est comme si tu t'allais chez le coiffeur te faire une nouvelle coupe ou un truc du genre, tu vois. Enfin, ouais, les inconvénients en plus, bien sûr, mais dis-toi que c'est pour ton physique en mode changement dans ta vie, etc. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord commencer à perdre plus naturellement, tu vois. Ouais. Parce que généralement, les gens qui font une opération, c'est genre ils sont plus obèses. Mais oui, c'est genre ils font 180 kilos et ils peuvent vraiment plus perdre naturellement. En ouais, fait. Ils vont mourir. Plus... Ouais, genre voilà. Il y en a qui le font à 80, hein. 80 kilos? Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Ouais. Fait Koh-Lanta, il a dit. Non, mais ça, c'est les mecs qui font 80 kilos à 4 ans qui font l'opération. Ouais, mais c'est les mecs qui font 60 cm, 80 kilos, oui, là, ils font l'opération. Mais les mecs qui font 1m66, 80 kilos, non, ils font pas d'opération, je suis désolé.
Non, moi je pense que tu. Moi je pense que tu. Je pense que tu te précipites. Ouais. C'est plus la facilité, tu te diras, je vais me faire opérer et tout. Ouais, va... mais après, de toute façon, il faut entretenir tout à fond. Va rouler donc, après. Parce que ah si après, tu après, direct... après, derrière l'opération, il y a quand même masse truc, genre, faut faire gaffe à ce que tu bouffes. Il faut que tu fasses du sport et tout. Ah oui, oui, clairement. Mais ça, déjà, même avant l'opération, il faut commencer à faire ça, tu vois. Faire attention. Ça corrige surtout le problème de bouffe, quoi. Bah c'est ça le plus important en vrai, c'est l'alimentation qui va te faire soit grossir, soit maigrir. Si tu veux continuer à manger de la merde, des trucs sucrés et des fast-food à longueur de temps, c'est après, sûr je t'avoue que c'est bon quand même, mais bon, voilà quoi. C'est vrai que c'est cool quand même. Ouais, mais si tu passes ta vie à Burger King, après t'étonnes pas si... Non, non. Non, moi je pensais que t'étais... Mais non, mais... Putain, mais le chat quoi, mais respectez un peu. On va rouler. T'allais dire quoi, pardon? Le chat pense, là. Ça va rouler. Ils ont dit mettre Chifou, c'est fils de pute. Ouais, j'avoue, moi, je vais sans doute cramer en enfer, mais wallah que je suis pas seul. Hein. Ah, la moitié du chat va m'accompagner. C'est sûr. C'est clair. Non, frérot, moi je te dis, là, tu précipites sur l'opération. On fait comme je t'ai dit. Ouais, tu te donnes 6 mois au pire, tu vois. Tu vas marcher et si tu vois que dès que t'as perdu genre 10-15 kilos, tu vas courir. Non, mais faut un suivi. Ouais, ouais, et tu vas avoir un diététicien, voilà, faut que t'aies un régime alimentaire. Ça, lui, il va peut-être marcher 2 jours et après. C'est des bâtards. Le chat il est atroce. Ouais, tu te laisses 6 mois en mode je perds le maximum et après tu vois si tu fais l'opération. Attends, il y a Jackson, il parle. Attends. J'ai pas entendu. Et non, dit, pas ça, il y a le chat qui a dit on peut dire que tout roule pour toi. Non, mais en vrai bro, je sais ce que ça fait que d'être gros. Et ouais, déjà, donc on... Non, mais moi je. Hein? Je m'occupe du chat, je m'en bats les couilles. Ça fait que je suis tout petit, que je suis comme ça. Donc, franchement, ça me fait rien, ça fait plus rire qu'autre chose. Mais... Ouais, mais tu utilises un avantage quand, parce que t'es gros? Tu veux que je te donne un avantage, frérot? Je m'attends à la plus grosse connerie du monde. Non, un truc grave stylé en plus. Et quand t'es gros, bah vu que t'es gros, bah t'as pas de rides. Ose me dire, oh, trouve un gros qui a des rides. Il a trop de peau, frère, bah pas être pillé. Alors. Je te jure que c'est vrai! Montre-moi un gros qui a des rides, wesh! Ça, c'est un avantage. J'avoue. Montre-moi un gros qui a des rides. C'est un gros mec, y'en a masse. Et j'essaie de te remonter le moral, frérot. Ouais. Non, mais ouais, Pierre Mélès, si il use les rides qu'il a, c'est parce qu'il a 4 mentons aussi. C'est des pliures de mentons, ça. Mais ouais, c'est pas des rides. Mais non. Je vois pas, frère. Mais sur ça, c'est assez dans le chat. Il a quel âge, fils de. Il a quel âge? Il est au moins 50 ans. Ouais, le type, il est là. C'est lui qui a mis le premier coup franc dans un ballon de foot en France. Il me parle. Non, après, si c'est ta décision. Ouais, bah... ouais, non, mais après, en vrai, je te conseille pas. Tu peux perdre du poids avant voilà, déjà. Voilà, ça. Bon, mon avis après, personnel, c'est après, un non. Je peux toujours commencer les démarches et essayer de. Ouais, voilà. Et puis en attendant, les gens qui font ça, c'est encore plus gros, non? Enfin, je sais pas. Non, pas du tout. Non, non. Non. Rideau. Moi, j'ai un pote, tu fais combien de kilos? 110. Ouais, j'avais un pote, il faisait 110 kilos, ouais, il faisait 1m70 et... Non mais imagine, il fait mon poids, mais ouais, avec mais ça presque dépend de vachement centimètres des corps, de moins, on peut pas tout mettre, mettre tous les corps dans le même panier. Imagine, mon poids avec 30 cm de moins. Alors ouais, pour l'instant j'ai que 20 ans, je suis pas handicapé par, mais c'est vrai que ça dans, peut devenir dans quelques après, années, mais... je peux avoir ouais, grave là, problème. Là, et lui, il force. C'est la 8ème fois qu'il en reçoit, qu'il lui dit les RP Greg. Le scooter doué, il... Eh, scooter d'eau, il a tous les jours, il est hal, hein. Ouais. Un vrai frérot. Non, mais dans tous les cas, oui, c'est un truc qui va te faire du bien, enfin, mentalement et physiquement, et peut-être qu'après, ça te remotivera aussi à prendre soin de toi, etc., quoi. Mais après, il faut te dire que c'est pas éternel non plus, quoi. Enfin, il faudra que tu vraiment... C'est pour refaire l'opération et après retourner au Subway. Ça va, le Subway, s'il prend un petit sandwich choton. Ça, ah non, mais de toute façon, déjà... Mais comme si, façon, vraiment, mais si vraiment tu fais l'opération, va quand même... Va faire le gigata, quoi, c'est quand même. Taxe leur 20 balles, là. Après, nique-toi l'estomac. Mais moi, je te conseille pas, en vrai, l'opération. Parce que l'opération, elle est lourde, même pour le corps, il y a beaucoup de séquelles et tout, c'est pas évident. Ouais.
Moi je te dirais, essaye. Hein. Moi je te dis, fais du cardio, tu fais du. Si ça te fait mal aux genoux, aux chevilles de courir et de marcher, tu vas faire du. Fais du vélo. Tu sais, des vélos d'intérieur et tout. Le vélo, ça te fait pas mal. Tu peux faire du vélo et basta. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Voilà mon avis, mon pote. Donc, okay, du coup, bah bon courage et tiens-nous au courant. Mais fais, juste teste le sport quand même avant de faire l'opération et dis-moi si tu perds, ok? Ouais, bah là, ça va... là, je vais essayer de, ouais, de moins marcher. Parce que marcher, courir, limite, aller marcher, courir non, ou vélo d'intérieur ou d'appartement. Ouais, tu vas à la salle, pas... tu fais du vélo. Ouais, mais ça sert à rien de lui dire ça. Enfin, faut qu'il aille voir quelqu'un qui. Faut, nous sommes vraiment contents. Faut qu'il aille voir quelqu'un, un spécialiste qui lui fait un programme diététique et puis de sport. Et puis voilà. Parce non, que... le sport encore. Mais il... très bien, non, c'est surtout la. Faut être honnête, les gens sont gros. Non, mais écoute, c'est surtout la limite d'avoir la diète. Le sport, je te fais le programme maintenant. Tous les jours. Tous les jours, tu fais une heure de vélo. Mais jamais fait vraiment de sport, genre cardio, tout ça, il connaît rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir dehors de 10 minutes, il va rentrer non, chez lui. Non, bah dans ce cas, tu fais du vélo. En gros, tu fais du vélo, ce qu'il faut faire, c'est faut que tu restes constant sur une heure. Tu dis, il faut que je fasse une heure et que je tienne une heure. Si tu vois que c'est trop dur, bah tu réduis la difficulté. Mais faut que tu tiennes non, une déjà, heure. Déjà, faut pas qu'il commence par une heure, faut qu'il commence par 25, 30 minutes. Et après, au fil du temps, Mais en vrai, une heure ça passe, j'ai un bon cardio quoi. Mais En plus, l'envie de cardio. Bah, ça va que tu fais du sport à côté quand même et tout quoi. Il fait de l'art martial. Mais c'est quand même. Non, mais c'est hard quand même le taekwondo. Mais c'est méconnu, mais c'est grave hard, vraiment. Quoi? C'est méconnu, mais c'est grave hard comme sport. Ouais. Je vois. Bon, mais on va te laisser, du coup. Merci, en tout cas, de nous avoir appelés. Et ouais. Tu nous tiens au courant? Bah, merci à mais vous. Mais t'en fais pas, hein, ce sera que du positif. Tu vois, tu te motives, tu te dis, est-ce que j'ai envie vraiment d'être comme ça? Et voilà. Allez, des bisous. Ok. Merci. Salut. À plus. Vous êtes un art martial, putain. Bah ouais, s'il aime, tant mieux. Mais... Ah bah oui. Non, mais le taekwondo c'est trop cool, non? Ouais. Ouais, je suis d'accord. T'aimes pas? Moi, je sais, le taekwondo c'est stylé. Ah. Comment ça demande de la souplesse quand même? Hein? Ah, y'a grave des gens qui veulent nous appeler. Et Jackson tout à l'heure il disait, oh y'a personne. Putain. Oh là, blindé. Vas-y. Qui est le prochain? Dis-nous son pseudo. Non mais en vrai voilà, fallait il lui faut un spécialiste parce qu'on sait très bien les gens qui enfin les gros entre guillemets, ils rentrent chez eux, ils ont fait un truc mais après voilà, ça tient pas. C'est pas un truc vraiment sérieux. Mais c'est surtout si suivi. T'es jeune et tout, je pense que c'est pas non plus la meilleure solution quoi. Genre peut-être à un certain âge. J'ai l'impression il veut faire l'opération mais il a jamais fait vraiment de sport physique pour perdre. Donc ça sert à rien. Mais il avait l'air de dire qu'il avait une diète. Ouais. Je sais pas. En fait. On avait pas trop l'impression dans ses propos, mais je sais pas après. Non mais ouais, de toute façon. C'est quoi qu'il arrive, t'arrives quand même à perdre au moins 10 kilos, je sais pas. Hein, Black Moon. Bah je pense ouais, je pense. Surtout les. Bah vu son poids, je pense que les 20 premiers kilos, il peut les perdre facilement. Oui voilà, c'est ça. Les premiers kilos, normalement tu les perds quand même. Genre juste il boit de l'eau, plus de boisson, déjà il perd 5 kilos. Ouais, juste en buvant que de l'eau. Il boit que de l'eau. Même du matin sans courir ou quoi, rien. Juste de l'eau, rien que de l'eau. Juste haut 5 kilos, bap. En plus, il se met à marcher, bah, 5 kilos. Ouais. Il se met à courir, pff, 5 kilos. 15 même, sans doute. 20 Une petite séance de taekwondo. Bah, non, comme ça, sans taekwondo, tu sais. Petit enchaînement. Ah, là, petit direct. Petit crochet. Les sans-sons, ils font la chaud. Allo. Ah. Salut, frérot, comment tu vas? Salut. Ça va, salut. Ça va, nickel. Comment tu vas? D'où tu viens? Je viens de La Rochelle. Tu as quel âge? La Rochelle, j'aime bien La Rochelle. C'est agréable, La Rochelle. J'ai 15 ans, je suis en CAP. Oh, t'as l'air super triste. Non, c'est pas... Ah bah souris quand tu nous parles. Ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre. Non, vas-y, explique-nous ton problème. En gros, j'ai deux problèmes. Ouais. J'en ai un, c'est plus avec mon... En gros, mon père a eu des problèmes de santé. Mm-hmm. Ouais. Et bah, il a fait une déprime à cause de ça, il a eu une sorte de crise cardiaque. Ouais. Il déprime, mais du coup, bah, j'aimerais bien le remotiver et tout, mais je sais pas comment faire en gros. Vous aviez des activités avant que vous faisiez souvent, etc. ou pas, ensemble? Bah, avec toute ma famille, on sortait ou des trucs comme ça, maintenant il veut plus du tout sortir, il reste... Ah ouais, d'accord. Enfin, il travaille, mais genre, quand il rentre du travail, il fait rien quoi. Mais il a le droit de refaire des activités, genre...
Oui, il a le droit, il peut faire ce qu'il veut maintenant, mais... Ouais, mais tu vois, des sorties entre juste lui et toi, ça pourrait être cool aussi, en plus, pour serrer vos liens. Moi, du coup, je peux plus trop, vu que je suis en CAP boulangerie. Ouais. Du coup, je travaille le week-end. Ah ouais, d'accord. J'ai que mon lundi et mon mercredi, du coup... Et lui travaille. Ouais. Ouais, Et c'est puis, pas le soir, facile. genre un bowling ou un ciné? Bah, en gros, là, je suis chez mes grands... J'habite chez mes grands-parents. D'accord? Parce que ton boulot est Et plus mes à parents... côté, c'est ça? Voilà, et mes parents, ils sont plus en Vendée. Ah ouais, donc Du coup, tu c'est à une c'est heure de chaud chute quoi. de là. Je peux pas y rentrer vu que j'ai pas 2 jours consécutifs et tout. Mais t'es en alternance, t'as dit? Et donc du coup, tes cours sont chez tes parents par contre. Oui, à côté, mais c'est internat obligatoire. Internat obligatoire, mais quel enfer. Ouais. Ah ouais, donc t'as C'est. genre plus les moyens de le voir quoi. Et t'as des frères et sœurs Bah, ou pas? non. J'ai une sœur, ouais. Et ta sœur, elle est avec eux? Ouais. Et elle peut pas faire des trucs avec lui? Bah, enfin, en gros, il veut. Il veut plus rien faire. Il fait des trucs chez lui, enfin, à la maison, vite Ouais. fait. Et il fait. Genre, il voit plus ses anciens copains, des trucs comme ça, quoi. Oh, quelle horreur. Et ta mère, elle en pense quoi et qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Bah, déjà, elle trouve ça chiant parce que souvent ils s'engueulent à cause de ça, des trucs comme ça, mais Ah bah ouais, j'imagine, bon. ouais. Et il voit quelqu'un pour ça ou pas? Non, pas du tout. Il aime pas du tout ni les médecins, ni les Mmh. psys. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Bah toi, tu peux faire en mode des Skype et tu lui racontes ta vie. Tu vois, genre déjà, juste lui parler, je pense que ce sera plus agréable. Hein? Je les appelle souvent quand même pour enfin c'est soit eux soit moi qui les appelle, mais on s'appelle souvent. Ah ouais, donc ça changerait peut-être pas grand-chose, quoi. Non. Mets-le aux jeux vidéo et joue avec lui. En plus, avant, il jouait, mais il a arrêté. Après aussi, il y a la moto qu'on a en commun, mais Ah! sa Et moto, elle a tu peux pas lui brûlé. faire une big surprise un jour et en mode venir avec ta moto et l'emmener en moto? Bah déjà, là, je compte passer mon permis 125. D'accord? Ce Et serait bien là, tu te poses un week-end de. T'as le droit de poser des jours, non? Oui. Ouais, bah tu te poses un week-end pendant que lui est en week-end, et genre tu fais la surprise et vous partez un week-end que Waouh, tous les deux en ça moto. fait beaucoup d'argent En ça. gros, c'est ce que je voulais. L'année prochaine, en gros, je voulais l'emmener à 24 heures du Mans pendant les 4 jours là. Ouais, Ah, c'est lourd avec ça. lui? Ah, c'est pas C'est mal lourd ça. ça, Ouais, 24 24 heures heures du du Mans. Mans. Ah, C'est trop bien, ouais. c'est nice. Non, c'est vrai. Moi, Mais c'est lourd. Je suis déjà allé, moi, une fois. lui Comment? payer la place et C'était lourd. tout, Tu dors dans une tente et après, tout. Ça le fait. faut que je lui dise de prendre son week-end, quoi. Ouais, voilà. Mais Mais après, ouais, ou ça alors s'organise à l'avance quand même. tu mets ta sœur ou ta mère complice en mode il faut qu'il prenne son week-end là et font en sorte qu'il le prenne, tu vois. Ouais, Si tu peux faire mais une grosse c'est surprise comme ça. clair. Mais ouais, non, mais sois là pour lui, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que t'es là pour lui, qu'il faut qu'il se sorte de là-dedans, qu'il rebouge, qu'il revoie ses amis et que ce sera mieux pour lui, quoi. Genre. Que t'aimes pas le voir comme ça et que. Mais en gros, c'est aussi, il montre pas beaucoup ses sentiments, du coup, Ouais, mais ça veut rien dire, tu c'est vois. chaud. Moi, mon père, pareil. Et pourtant, en fait, quand tu commences à faire. fait rire, ça. Mon père, pareil. Et pourtant, quand tu commences à être. Je sais pas, tu vois, à lui donner, enfin, il te donne en retour, tu vois, dans l'idée. Alors, je sais pas si tu le fais, toi, mais. Tu lui dis que tu l'aimes, enfin, voilà, quoi. Bah, même moi, en fait, j'aime pas trop montrer mes sentiments et tout, c'est pas. Ah bah oui, mais J'aime pas bon, trop là ça. ça lui fera plaisir, tu vois. Surtout en plus si vous êtes tous les deux comme Oh, je ça. l'ai déjà dit plusieurs fois, Bah, oh, c'est bien. mais. Non, mais soit un soutien psychologique, quoi. Et c'est dû à quoi ça déprime, si je veux pas être trop. Si t'as pas envie de le dire, dis pas, hein, mais. Bah, en gros, il a Oh, j'allais été. dire un truc, c'était sale. Faut que je Il m'étais. est... il était en travail. Il a Ouais. fait une sorte de crise cardiaque. Mais Ouais. genre, c'était juste un. Je sais pas comment Un dire. AVC? Un début. Ouais, enfin, c'était juste un début. En gros, c'était une artère qui s'était bouchée. Ouais, d'accord. Du coup, il se sentait pas bien et tout. Il a appelé les Ouais. pompiers, ils l'ont emmené et Mais après, tout. en fait, il a totalement changé de comportement à partir du moment où il lui est arrivé ça.
Pas tout de suite. Après, il était en angoisse, enfin, il angoissait que ça lui refasse ça. Ouais. Il a fait une crise d'angoisse dans sa voiture, parce qu'il est souvent en déplacement. Et donc, il a dû appeler les pompiers alors qu'il avait rien. Et c'est là que ça lui a mis. Ah, ça lui a fait un coup, quoi. Il a peur tout le temps. Voilà, c'est ça. Après, dans tous les cas, s'il pouvait quand même voir quelqu'un, ce serait pas mal aussi, quoi. En plus de Bah. tout ce que tu pourrais faire pour lui. Après aussi, enfin, il fait une activité, mais Ah, c'est bien, c'est déjà. il y va plus trop souvent. Ah, bah ouais, non, mais ça, il faut qu'il reprenne, etc. Faudrait que tu te mettes d'accord avec ta soeur et ta mère pour qu'il le motive à mort, etc. Mais je Mais ma comprends, hein, mère, elle a fait trop c'est la pas moto et facile. tout, Surtout que donc. toi, quand en plus t'es pas là, t'es jamais là, ça doit pas être facile pour toi, à distance, etc. Bah Chapeau, ouais, tu tiens le coup. c'est surtout ça qui est relou. Après, vu que là, là, je suis ma première année, je suis ma deuxième année. Et après, je refais encore une autre. Je vais en bac pro. Et je vais essayer de trouver plus près de chez moi pour être plus avec eux et tout. Que ce soit mieux, pour qu'on fasse plus d'intimité. Excuse-moi, c'est juste un ton qui était juste C'était complètement du sérieux au scandaleux. début. Ouais, moi aussi, tu sais, genre, je lisais en mode c'est un conseil, etc. Non, Je mais full troll. Vous êtes full con, le chat. Bref, du coup, oui, non, J'ai mais c'est ouvert vrai le que ton. tu dois lui montrer ton soutien, etc. Et genre, le motiver à bouger. Et toi, tu lui fais des surprises dès que tu peux, en mode on se fait un petit week-end ensemble, machin. Ok. Allez, bon, on te fait des Bah, bon bisous, bon courage à toi, courage. frérot, et à Et plus de chance, frérot. ouais, sois fort. Après, j'avais un autre truc, mais si vous Vas-y, voulez vas-y. passer, c'est pas Bah, grave. tu enchaînes, Vas-y, enchaîne, vas-y. enchaîne, vas-y, En gros, là, vous frérot, savez que je suis en CAP et tout. vas-y. Donc, je commence environ à 5 heures. Ouais. Et Ouais, facile. j'arrive pas. Depuis que je suis tout petit, en gros, j'arrive pas du tout à dormir tôt. Et ça m'handicape beaucoup La parce que j'arrive mélatonine. pas à retenir les trucs et tout. Ouais. Faut que tu essaies Bah, ouais. la mélatonine, c'est ça? C'est Et comme ouais, ça c'est qu'on dit. ça, et tu fais plein de sport pour être fatigué le soir, tu dors bien toute la nuit, tu manges bien surtout, parce que c'est important pour le sommeil aussi. Ah, déjà, je fais pas mal de sport. En gros, je prends environ 200 kilos de farine par jour. Je Ouais, fais de donc la déjà, c'est assez musculation physique. et du badminton. Et du taekwondo. Ah ouais, tu... Non, pas de truc Pardon. Ah ouais, Non, d'accord. ouais, déjà, ton taf, il doit être assez physique. Donc en plus, si tu Ah, fais. Tu m'as dit quoi? c'est Du pas mal badminton? physique. Oui, et de la muscu. Ah, c'est pas mal. Donc, bah c'est bizarre quand même que t'es. Tu te couches à quelle heure généralement le soir? Oh bah en gros je regarde la nocturne et je me couche environ vers minuit et demi quoi. Ah, pour te lever Ah, à 5 h ok, quoi. ouais. Non mais J'aimerais bien me c'est coucher ça. à minuit et demi. Ah Ah oui, mais pour se oui lever non à mais 5 heures, pour c'est se chaud. lever Non, à mais lui, il est 5 h. déjà Donc chez lui, il se lève déjà. avant, pardon. Il est déjà chez lui, il se lève à 5 heures. Ouais, lui, il a un vrai rythme de vie, tu vois. Tu t'es levé à quelle heure aujourd'hui, frérot? Mais toi tu te lèves tôt, tu mets des tweets à midi. Mais moi Non, mec je suis il un se couche. mec. Il Non, mais se en fait, couche à midi. j'ai des cycles. En fait, il y a des Non, mais. cycles où, genre, Non, il s'est pendant. couché à midi, je crois. Non, en fait, depuis que je t'affiche, j'ai plus de cycles. Mais avant, j'avais un cycle, genre, tous les jours, je me levais à 6 heures. Du soir. Non, du matin. Non, je te jure, avant, si. Mais maintenant, non, là, j'ai plus de cycles. Je me suis levé à 13 heures. Ah, disquette! 13 heures. Vu quoi, là, Bon, je suis ça combien? va. Vu quoi, là, 13 je suis heures, ça combien? va, c'est Là, agréable. là, Tu te réveilles devant mais. Jean-Pierre Pernaut, Là, c'est tranquille, mais. 13 heures. Ah, 13 heures, oui. Oh, 13 heures, Bah, c'est agréable. t'aurais pu Pourquoi t'as être dit 6 complètement heures, plus là? décalé Mais que moi avant, il y je a me levais à quelques 6 jours. heures. Depuis quoi, la chômeur vie commence à 6 heures? Non, mais c'est bien d'avoir un bon rythme. Ouais, c'est cool, ça fait Mais du quand tu bien. travailles ici, c'est Le mort. mieux, c'est le matin quand t'as rien à faire, quoi, et qu'il Même fait un quand peu t'as un beau. bourré, t'es dedans, tu te lèves pas à 6 heures. Vas-y, toi. T'es à mytho, toi. Regardez le chat, mytho. Bon, bref, Essaye la mélatonine, tu vas en ouais, pharmacie, voilà. c'est. C'est T'as même pas besoin d'ordonnance. voilà, t'as pas besoin d'ordonnance, tu peux me prendre ça. Et dans tous les cas, il faut que tu fasses. Bon, après, c'est vrai que là, c'est cool ton rythme. Tu nous regardes, tu vas te coucher, mais ne regarde pas d'écran après par la suite. Genre, une fois que t'es au lit, je m'entends plus du tout. Ah, Allô? d'accord, ça m'a fait bizarre d'un coup. Ouais. Tu vas Ouais. au lit, tu regardes pas d'écran, tu lis un livre, tu te reposes. Enfin, vraiment, il faut que tu te T'inquiète, mes reposes maintenant followers, ils et savent. tu manges bien et que tu fasses bien du sport. Et au fur et à mesure, ça ira, hein, tu sais. Les rythmes, ça va, ça vient. T'es à 15 ans, donc en pleine adolescence, normal que tu dormes pas trop, quoi. Branle-toi T'inquiète sinon. pas. Ça aide. Ouais, voilà.
Et en plus c'est bon pour la santé. L'autre fois l'autre il appelait, il disait qu'il se masturbait trop, mais on a lu l'autre fois sur Twitter que, je sais pas si vous avez vu. Oui non, c'est bon pour la santé, mais j'avais dit, hein, je l'ai bah, dit voilà, tout le c'est bon pour la santé. C'est très très bon, pour le cœur voilà. Et tout. Il y a les jambes de Péfut qui a donné 3,50. On t'a recampé les bon. Oh Quand tu veux, mon frérot, quand tu veux. On t'a compris, frérot. Quand tu veux, frérot, je suis là. Elles sont prêtes à être utilisées. Bon, en tout cas, des bisous, bon courage. Je vais dire un petit dernier truc. Oh, il est chaud. Ah, t'avais trop de problèmes ce soir. Vas-y, dis-nous. Non, non, ça va, c'est juste. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a créé un pseudo, genre. C'est trop cool votre émission. Attends, attends, quand tu fais un don, tu peux choisir. Ouais. Ah, ce que j'allais dire, le mec il a créé un Twitch, les jambes de Péfut. Je sais, ah ouais. Il est chaud. Ah, mais tu sais qu'il y en a, ils s'en foutent, hein, ils le font quand même. Hein. Ouais, ouais, il se rabonne avec et tout. C'est magnifique. Bon, bah merci à toi, frérot. Et puis essaye la mélatonine pour les problèmes de sommeil, sinon. Yes. Et regarde pas la nocturne, parce que c'est sûr que sinon tu dors pas. Si, si, regarde la nocturne. Allez, bisous, frérot. À la prochaine. Bisous, salut. Bisous. Il y avait un autre truc, le pauvre. Non, mais tu sais, j'ai lu les jambes de Péfut. C'est pas grave, y'a d'autres. Et là, j'ai vu le. Tu veux le faire, toi? Non, tu veux le faire, toi? Non, non, mais écoute, j'ai vu les jambes de Péfut. Je me suis dit, les bâtards, ça taille les jambes. Et j'ai vu le. On taffe. On taffe quand? Alors, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag la nocturne, hein, si vous voulez participer à un sujet. Et bien sûr, si vous voulez réagir sur un. Enfin, appeler pour réagir sur un truc qui est passé avant, n'hésitez surtout pas. Hein. C'est vraiment, c'est bien le. Ah! Ok, sur le poids, ok, d'accord, très bien. Excellent! Allo? Bah allo? Vous m'entendez? Ouais, t'es un peu dans une cave, mais on t'entend. C'est pas possible. Je vous appelle vite fait là, c'est pour réagir au mec de tout à l'heure. Vas-y. Ouais, vas-y. Dans le même cas, il y a quoi? Il y a peut-être même pas un an. Il y a un an? Mais en... Ouais, un an, ouais. Mais en un peu plus gros encore. Ouais. Est-ce que je te connais très bien ou pas? Du tout. Julie, un an? Pourquoi? Non, non, mais non, tu me connais pas. Ok, d'accord, ok. Vas-y, continue. Enfin bref, et je pense que envers, le mieux, c'est quand même juste, il fait attention à sa diète, il va juste faire genre 45 minutes de vélo elliptique, ça marche de ouf. Ouais, c'est ce qu'on a dit, hein. T'as perdu combien, toi, en combien de temps? T'appelles pour dire ça. je suis passé à 80 en 6 mois. En partant de combien? Il a perdu 80 en 6 mois. Ah, t'as perdu non, 80 kilos? Non, 80, c'est impossible en 6 mois, wesh. J'ai perdu 40 kilos aussi. Ah, 40. Putain, 40, c'est bien quand même, non? La motivation. Bah, c'est beau le vélo. Hein. La motivation. C'est mais bon. C'est... Bah, c'était très intéressant. J'espère que notre ancien. Mais tu vois, lui, il a fait 3 quarts d'heure de vélo. Il fait comme moi, 1 heure. Il l'aurait perdu en 4 mois. Mm. Ouais, mais enfin, pas n'importe. Enfin, je pense que c'est surtout l'elliptique. C'est le normal, c'est pas ouf. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Commence pas à dire elliptique, épileptique ou je sais pas quoi là. Tectonique. Tectonique. Bah merci à toi frérot en tout bisous. Cas, merci pour ce témoignage. Très intéressant. Bonne soirée. Merci frérot. Bonne soirée. Salut. Ciao. Non mais voilà. Tu non vois, mais déjà, c'est bien qu'il le dise, que... tu vois, au moins ça lui donne de l'espoir. Bah ça enfin, confirme genre... ce qu'on disait quoi. C'est... Ouais mais bon, au moins il y a un exemple concret. Il est petit. Ouais, du coup on a quelqu'un d'autre. Gère Ghost. Qui a une histoire avec une meuf. Une histoire avec une meuf. Ah enfin. Putain, on se demandait où ils étaient les gens qui ont des problèmes avec les meufs. Ah. C'est bon. Est-ce que tu nous entends? Allô, allô. Allo, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Ça, c'est la chanson de la soirée. Eh oh! C'est moi qui l'ai lancé en plus, je crois. Ouais. T'es fier en plus. Ouais, c'est trop bien. Tragédie, c'est de la bombe, hein. Kyo aussi, pas mal. Moi, je préférais Camaro. Putain, et Singila, parce que du coup, ils sont venus ici. Mais il y a une chanson hyper connue de Singila. Ah ouais, mais c'est pas Singila ça, si? Non, non, pas du tout. Non, ah. je change de sujet, désolé. Je rebondis. C'est quoi la chanson hyper connue qu'il a fait? Tu peux du tout. C'est ah, Singila. Mais si, genre... Et genre, en fait, j'ai cherché sur YouTube et tout, mais j'ai pas réussi. Ah ouais, y'a même pas de trace sur YouTube. Non, non. Genre, aucune chanson qui me parlait. Ça passait à la radio et tout, je crois. Singila, ouais, je crois. Il va me dire le chat. Le chat doit savoir. Je sais pas si le chat écoute du Singila, mais... Tu me diras. Mais non, mais tu sais, ça passait sur les radios quand on avait 14 ans, tu vois, donc... Je te fais. Non. Du coup, il est parti l'autre, c'est bon? Non, mais il nous entend pas, apparemment.
Non, mais n'entend pas, pas dommage pour lui. Ronce ? Allô ? Cimer détruit le siège XD, si jamais t'as besoin d'un graphiste, n'hésite pas. Ah, ok, pas de soucis, mon frère. Je te dis dès que je détruis le siège. Par contre, tu me follow pas, mec. C'est dommage. En fait, tous les jours, PFUT est exactement placé dans la même position, même endroit, t'as juste les freins qui changent. Ouais, c'est le but. Bah, c'est quand même mieux hein. Quand Blackwing est plus sympa avec les gens qui passent, PS, vous suicidez ou demandez plus poliment, suicidez-vous. Quoi ? J'ai rien compris. Eh, hey, ferme ta gueule, Jawed. Il s'appelle Jawad déjà, à partir de là, il est pas crédible. Vas-y, vas-y, ouais. C'est Rossignol ? Non, je sais pas. Non, ils ont dit c'est trop, non ? C'est trop, c'est pas un type de musique ? Je sais pas. Mais genre celle qui était connue, mais il y a très très longtemps, parce que moi je savais pas qu'il continue bon, à faire des trucs. On va trouver vas-y, tout vas-y. Ça. Quand on paye 9,99€ par mois Spotify normalement. C'est vrai que c'est la vie de Spotify. Hein. Allez. Faudrait voir si. Ah, je vais voir avec vous, mais genre juste complètement par. Si, c'est Rossignol apparemment. C'est Rossignol ? Bon, attends, je vais avancer. Déjà, l'instru il me dit quelque chose. Bon, on va faire comme si on avait rien entendu. Moi, ça me dit rien. Je suis persuadé qu'il y avait un truc comme ça. Bon, bah, peut-être que c'était pas lui et que je délire totalement. Hein. C'est possible aussi. Hein. Je vais dormir chez Chow. C'est trop la musique. Je sais pas, on verra. Je rechercherai tout à l'heure, je vous le dirai si je tombe dessus. PSP, Spotify. Non, mais non, c'est vrai que. Bah, je connais pas la différence entre Deezer et Spotify, donc je peux pas dire lequel est le mieux. Donc, Alors, il a toujours des problèmes de micro ? Ouais, j'en ai essayé un autre, c'est pareil. Ouais. C'est nous qui buguons ? Bah, c'est pas possible. Non mais t'appuies sur tous les boutons aussi, Jackson. Non, allô, allô. Allô. Ah, allô, toi tu fonctionnes, toi. Ouais. Comment vas-tu? Ah, tu nous entends plus. Ah. Ouais, je coupe la live, désolé. Ouais. Ouais, on s'est parlé deux jours, c'est le Québécois. Je suis belge, ah non, Québécois une fois. Ouais, bah on s'est parlé, je crois, c'est avant-hier. C'était quoi son problème avec lui, déjà ? Ah, le Québécois, le Québécois était exceptionnel, je crois. C'est Léon ! Ouais, non, mais. C'est toi, encore, c'est toi. C'est Léon ! Ouais, c'est moi. Mais ouais, non, c'est plus pour réagir à propos du mec qui voulait faire l'opération et tout. Rapproche-toi un peu ton micro, on t'entend pas bien. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'il fasse du vélo électrique. C'est mieux ? C'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. C'est mieux ? Ouais. Ok, parfait. Ouais, non, c'est juste pour dire que cette opération, en vrai, c'est. Quand t'es pas sûr à 100% que t'en as besoin, ça peut être dangereux au bout. Je l'ai fait, puis il y a eu tellement de séquelles après que. Ah, tu l'as fait ? Ouais, ouais. D'accord, ok. C'est... Pour vrai, j'ai eu tellement de complications après et tout, c'est. En plus, ouais, ça laisse des marques. Ouais, c'est. Maintenant, c'est grave la merde. Il y a des trucs que je peux plus manger du tout et tout. Ah bon ? Ouais. Bon. Vas-y, explique-nous un peu mieux parce que du coup. Bah, en vrai, c'est juste que ça peut être dangereux donc faut être sûr à 100%. Mais ça dépend de comment ton corps réagit et tout. Mais évidemment, genre... de toute façon, ça va dépendre à chaque fois et c'est n'importe, enfin, pour n'importe quoi. En fait. Mais faut être grave certain de ce que tu veux faire parce que ça peut être dangereux. On t'entend un mot sur deux. Ça peut être grave dangereux de faire cette opération donc faut être sûr à 100%. Tu peux arrêter de manger des chips, s'il te plaît. T'es moins chaud que la dernière fois, je trouve, quand même. Ouais, je suis un peu fatigué. Mais ouais. Mais ouais, mais aussi, parlant de la dernière fois, mon problème avec ce que tu m'as dit et tout, de m'en aller en audiovisuel et tout. Oui. Bah, je me suis réorienté, j'ai fait une demande, j'ai été accepté. Je commence l'automne prochain. Allez, voilà, qui est mon mère, le chat là qui dit vous êtes jamais les gens, vous êtes que de rigoler. Mais qui est mon mère? Tu sais, dans 10 ans, il y a des gens, ils reviendront bien nous voir. Frérot, bien ouais. Ouais, tu sais que tu nous as sauvé la vie. Ouais, voilà, bien ouais, je crois. J'ai trop hâte. Vas-y, ce chat de chien là, mon gars. Bande de fils de hyène. Totalement d'accord. Ah, t'as en plus, je suis d'accord avec moi, tabarnak. Blackwood, t'as totalement raison. J'ai cherché sur Google des gros pleins de rides, il y en a pas. T'as des vu, on est d'accord. Mec, non, mais c'est. Comme les chinoises enceintes. T'as déjà vu une chinoise enceinte? Oui. C'est vrai? Non. Oui non. Tu mens. Jamais. Moi, j'en ai jamais vu. Moi non plus. T'as déjà vu des chinois déjà? Bah oui. Comment t'as fait pour. Non, ça va être dur de voir l'herbe enceinte, fils de chien. Hein. Totalement con, ce connard. Non, mais c'est vrai. Je sais pas d'image de. Il m'a dit énervé, son cul. C'est une blague, mon connard. Ah putain de merde. Eh, vas-y, PFU, tu m'as saoulé. J'ai plus envie de parler. Il m'a dit énervé.
Bon bah ok, mais merci en tout cas pour ton témoignage, donc c'est dangereux, faire attention, et ça dépend de toi. Ouais, merci de votre aide encore. Bah écoute, tu nous rappelles dans 10 ans. Ouais, si je me trouve à taf, je vous rappelle. J'aurai 32 ans, la nocturne ce soir. Bisous, de rien, bisous. C'est Lynn. A plus. A plus, les mecs. Salut. Tu sais, je voulais juste dire un truc entre temps, mais rien à voir, hein. Je serai à Grenoble ce week-end pour les 2 ans du Meltdown. Ah oui, du Meltdown de Grenoble. Non, c'est ouais. Bordeaux. Non, mais Grenoble, celui-là. Ah bon. Pourquoi? J'ai cru voir l'annonce pour Bordeaux, moi, je crois. Non, Grenoble. C'était pas Grenoble, c'est pas Bordeaux. Bordeaux, c'était il y a... T'es sûr que tu te trompes pas de ville? Et merde. De toute façon, c'est pas grave. Mais dans le train, et c'est bon. Donc, du coup, si vous voulez venir boire des coups, etc., n'hésitez pas, hein, surtout. Et c'est vraiment bien, en plus, il va faire trop beau ce week-end. Trop hâte. Mettre au soleil, voilà. Salut. Allô, allô. Ouais, bonjour. Merci de m'enlever de ce silence gênant. Ouais. Comment vas-tu? Bien et vous? Super, super. Est-ce que tu peux juste me baisser un tout petit peu? Ouais. Nickel, merci. Est-ce que... D'où tu viens? Quel âge as-tu? Je préférerais rester anonyme si possible. Ok, bon, ton âge est... Ton âge au moins? Je sais pas si c'est... Ouais, j'ai 16 ans. Ok. Ouais, j'habite vers Paris, quoi, en gros. Mais je préfère rester anonyme. Ok, y'a pas de problème, y'a pas de problème. Ouais, ouais, alors. J'ai la trique depuis tout à l'heure. Ah, je sais pas je vais avoir la trique longtemps, les mecs, parce que vous avez resté comme ça tout le long. Vous êtes jamais mis en survêt, les mecs, ou. Je sais pas. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, ouais, alors du coup. Il fait trop d'effet avec sa chemise. C'est vrai que donc, j'ai un truc. Ouais, ouais, j'ai vu un truc tout à l'heure sur YouTube, donc c'était la rediff du live d'hier soir, de la nocturne. Ouais. Et j'ai vu que Damien est passé sur le live hier, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le gars qui a raconté qu'il a pété une dent à un gars pour une embrouille avec une meuf, tout ça, tout ça. Énorme. Tu le connais? Bah, je suis le gars à qui il a pété la dent. Non, sérieux? J'ai été su. C'est excellent. C'est excellent. J'en suis mort. Il est en train de parler, il est comme ça. Ah, il t'a vraiment pété la dent alors. Non, non, mais. Il a menti un peu, non? Non, mais c'est pas drôle, les gars. Non, c'est pas drôle. Dans les dents, franchement, c'est de la merde. Enfin, genre, péter une dent, c'est la pire chose au monde, je crois. Putain, il a kické le 15 dans qu'il était Jackson. T'es encore là? T'es encore là, frérot? Ouais. J'ai mal aux dents. Attends, raconte-nous l'histoire de ton pote tapé ouvé, là. Ça va pas du tout être pareil. Ah ouais, mais parce que toi, t'étais pas cool aussi. Non, parce que justement, je suis venu ici pour tirer les choses au clair. Vas-y. Il a raconté des trucs. En fait, l'histoire, c'est que... Donc, ça va faire maintenant une semaine que je sors avec Marie. Ouais. Marie. Et donc, Damien, c'est son ex, en fait. T'as dit quoi? Excuse-moi, je t'entends mal. Désolé, ouais. Damien, donc le gars qui m'a pété la dent, c'est l'ex de Marie. D'accord. Donc, l'ex de ma meuf. Ouais. Et genre, en gros... Ah, c'est l'ex, t'es pas le meilleur mais ami. Mais c'était pas le meilleur ami? Ouais. Bah on a été potes mais enfin du coup non mais lui après, elle lui, attends parce que lui on a parce que lui dans l'histoire je t'explique genre, ouais. L'histoire que lui nous a dit c'est qu'en gros lui c'était le meilleur ami de la meuf et toi t'étais du coup le copain de la meuf et que du coup je sais pas quoi il y avait vous l'aviez fait un coup attends, comme quoi vous étiez plus ensemble c'est et ça coup, et genre il lui a fait des câlins ma bite et genre je sais pas quoi après c'était un délire. Attends mais en plus ça avait l'air de faire super longtemps que cette histoire traînait, ça fait pas qu'une semaine que vous êtes ensemble. Non, mais ça faisait un bail. Non mais il s'est repassé des trucs depuis en fait mais d'accord mais ouais ils sont sortis ensemble il y a longtemps enfin bref en gros je suis ici pour vous parler de ce qu'il a raconté hier surtout du fait que qui lui a pas mal cassé les couilles et tout parce que à la base je sais plus genre il vous a raconté qu'il a fait de la merde sur son compte LOL et tout mais ah oui non, c'était sympa ah, mais, oui mais à part ça genre il vous a pas dit qu'il la harcelait qu'il lui a demandé des nudes sur Snap tout ça genre genre il a vraiment pas été cool quoi ouais et genre je sais pas il faisait un peu le mec en live et tout. Et non, le truc c'est que. C'est vrai qu'il a lancé. Ouais, il était champion du monde de boxe. Il a quand même lâché un pouf. C'est un mytho. Ah, c'était un pouf. Il avait lâché Il se défend. Il se défend. Voilà.
Bah, il t'a pété une dent quand même. Ouais, bah... Il est vraiment champion du monde de je sais pas quoi là. Non, 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 c'est du mythos ça par contre. Ah, c'était sûr. Tu vois, je l'avais senti ça. Ouais, ouais. Ouais, il parle beaucoup lui. Et... Non, mais. Mais du coup, le problème c'est pas ça, c'est que. Genre, il arrête pas de l'insulter par message et tout. Et genre, je sais plus quoi, il m'a dit ouais, si tu vas me balance au flic, je te tue, genre un truc comme ça. Et... Bah, balance pas là. Ah, bah, non, mais t'avais porté plainte du bah, coup. Bah... Non, 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 c'était un coup de pression. J'avais. Enfin, ah, j'avais parce que lui encore, était persuadé que tu l'avais fait, ouais. Bah, non. Mais le truc, c'est que du coup, je sais pas trop quoi faire. Enfin, à ma place, genre, il continue de faire chier Marie et genre, enfin, j'ai un peu peur de lui, quoi. T'as un peu peur de perdre une deuxième dent. Ce serait relou, quoi. Mais pourquoi Marie, c'est pas elle qui porte plainte en mode. Enfin, porter plainte pour de vrai, en fait. Tout simplement. Bah, moi en soi, il m'a pété la dent quand je suis rentré chez moi. Mes parents, normal, ils m'ont demandé ce qui s'est passé. Enfin, je leur ai pas dit la vérité et tout, mais. Bah, t'aurais dû. Ouais, t'as dit que tu t'es. Bah, t'as 16 ans, tes parents, ils m'ont pas. Ouais, attends, c'était une dent de lait ou une dent ? Vas-y, toi, une dent de lait, il a dit. Non, 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 c'est l'incisif. Enfin, bref. Et en plus, c'est quoi incisif ? C'est les canines. Ah, ouais, c'est chaud. Quand le père, ça aurait été une larme. Une devant. Ouais, vas-y, continue. Ouais, du coup, bah, le truc, c'est que maintenant, il me fait un peu peur au lycée, tu veux quoi, des armes et... Non, mais porte plainte pour de vrai. Mais ouais, mais j'ai peur qu'il... Enfin, je sais pas, il m'a menacé et tout, c'est un peu chaud, enfin, je le vois au lycée, donc... Je crois qu'il est au collège, wesh. Bah non, on est en seconde. Dis-moi quand je dis. Il nous a appelé hier, tu vois. Non, mais en vrai tu sais qu'il faut que t'appelles qui? Quoi? His name is John Cena. Oh, il est grave chaud, Jackson. Il m'a dit, dis-lui, appelle quelqu'un. Ah, putain, j'avais compris quoi autre chose. Un accent de sérieux. Non, mais s'il y a harcèlement, etc., tu portes vraiment plainte. C'est trop bien, c'était trop bien, Jackson. C'est le meilleur. Putain de merde. Jackson il le veut vraiment sous CDI ce bâtard. Eh, vous savez quoi? Non, je vais pas le dire. Bon bref, du coup porte plainte, tu vois, pour de vrai. Si t'as les preuves de harcèlement et tout. Mais il nous a menacé, enfin. Mais il va pas te tuer, hein. Appelle au contraire, ça va bien le calmer. Appelle le mec qui fait du tech. Ou alors ce que tu fais, avant toute chose, tu vas voir ses parents en fait directement et tu lui dis mais il s'est passé ça. Toi t'en parles à tes parents aussi pour qu'eux ils soient au courant et qu'ils puissent te défendre en cas de besoin. Tes parents, ils sont chelous. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ça me fait peur. T'imagines la conversation. Même ses parents, ils sont chelous. Genre ça me fait peur. Enfin, je t'entends pas, attends une seconde. Ouais, ça me fait peur. Est-ce que t'as pété une dent, mon pote? Non mais les gars, c'est pas marrant par contre. Ah, surtout si c'est l'incisive, mais... c'est vrai que. C'est vous l'incisive, c'est chaud, frère. Et donc du coup, ouais, ensuite. Non mais si c'est pour se foutre de ma gueule, genre je me casse, enfin. Non mais moi j'ai. Ah, nous, on te donne des donc conseils. Du coup, attends, pourquoi tu voulais pas en parler à tes parents ni à ses parents? Bah. Non, mais parce qu'il m'a menacé de mort. Mais il va pas te tuer, hein. Et puis si tes parents sont au courant, il va pas te tuer, hein. Non, mais vous le connaissez pas, mais il a déjà fait des trucs bizarres. Ah bon? Bah, non, justement, il y a raison de plus pour porter plainte, en fait. Bah, en fait, je me suis demandé si vous pouviez. Je sais pas, calmer le jeu. J'ai son numéro de téléphone, donc. Enfin, si vous vous sentez mais chaud on lui en parlait de... hier, nous. Bah ouais, il mais c'est pas grave, on va lui dire d'arrêter de le menacer. C'est vrai. Si on l'appelle. Allez, moi je l'appelle. Vas-y, non, voilà. Vas-y, vas-y, on l'appelle. Tu veux lui parler? Ouais, je veux donne le numéro à Jackson. Rappelle-moi ton prénom, gros. Mais il veut pas donner son prénom, il veut être anonyme, mais il nous a donné tous les blases de l'histoire. Ouais, du coup, donne-moi ton prénom, frérot. Pas vraiment anonyme. Si t'es anonyme et que t'as déjà donné autant de détails, frère, c'est que t'es plus anonyme. Bah, par rapport, on dira le mec de Marie, il comprendra. Plus anonyme possible. Non, mais je pense qu'il va comprendre si vous racontez. Bah, on a une vraie réponse d'un quelqu'un du chat. Eh, tu sais quoi, je m'occupe du truc. Vas-y, balance le nîme. Balance le nîme à Jackson. Mais moi, je te conseille quand même de porter plainte. Hein. T'as dit quoi? Ok, je porterai plainte. Mais si vous pouvez l'appeler et qu'il y a un. Envoie le numéro à Jackson là. T'as pas envoyé le numéro à Jackson? Si, j'ai envoyé un.
Tu l'as envoyé à quelqu'un. Eclipsia TV, hein, le pseudo de Jackson. Ouais, Eclipsia TV, j'ai envoyé. Jackson, il y a trop de gens qui lui parlent, tu sais. Jackson a rien à foutre, lui, il cherche juste des bruitages. Ah, mais c'est, mais bon, c'est pas le même. Mais dans tous les cas, porte plainte, hein, moi je te le dis, enfin fais-le, genre okay, 16 ans. Okay. Je pense que je vais porter plainte, mais si vous pouvez le calmer le jeu, parce qu'il me fait vraiment peur déjà. Donc, okay, ouais, okay, ouais, okay, pas de problème, okay, mais porte plainte. Zoulette. C'est, okay, c'est surtout eux qui vont calmer le jeu, quoi. C'est déjà qu'il t'a agressé de base, enfin t'as déjà une preuve comme quoi il t'a agressé, enfin, plus les messages, etc. Ok, ok. Donc on va l'appeler. Ok. Ouais, ouais, on l'appelle maintenant, ouais. Maintenant, c'est maintenant. Mute l'ami Damien. Faut pas qu'il l'entende parler. Wesh. Vas-y, levez-vous, mec, je m'occupe d'aller. Je crois qu'ils peuvent pas se parler entre eux aussi. D'accord, ok. Tchao, tchao, tchao. Wesh, Zoulette. Mets-lui un coup de torchon. Vas-y, Zoulette. Zoulette. Vas-y, appelle. De toute façon, les deux, c'est comment des potes. Comment il s'appelle? Il s'appelle... tu dis le mec qui fait du kickboxing. Oh, c'était de l'anglais. Il s'appelle Damien, ouais. Allo, Damso? T'inquiète. Attends, mais toi, tu vas dire... Ta gueule! Toi, tu vas dire il t'es qui? Il est peut-être devant la... Ouais, allo, c'est qui? Ouais, allo, Damien? C'est qui? Tu me reconnais pas? Mais t'es marrant, on fait 23h12, je suis en pleine game. Attends, t'as dit quoi? Je t'entends mal, frérot. Mais t'es qui, en fait? C'est Damien, le boxeur anglaise, non? Ouais, c'est moi le boxeur anglais. Ouais, frérot, alors ça fait quoi de casser des dents comme as? Mais t'es qui, en fait? Genre... Comment ça, je suis qui? Des mots, je sais pas, des mots... Je te connais pas, en fait, pourquoi tu m'appelles en masqué à 23h13? Écoute, alors déjà, quand j'ai composé le numéro, il était 12, déjà, pour commencer. Et genre, si je te dis t'as cassé une dent, ça te rappelle rien? Bah, si, quand même, ouais. Ça te rappelle quoi, du coup, mon petit frérot? Bah... Moi, tu poses des questions ici. Donc, okay. Tu veux écouter? T'es qui? Je vais te répondre dans ce cas. Ah, ça te dit rien. Ça te dit rien. Eh, vas-y, c'est un fuck, vas-y, nique ta mère. Eh, nique ta grosse mère, vas-y, raccroche-le. Oh, t'as appelé il y a deux jours, enculé. Non, le mec il dit je suis qui, il reconnaît pas Kegege, c'est pas le mec qui a appelé, c'est mytho. Allez hop, vas-y, déjà. Ah, c'était mytho. Impossible, impossible qu'il ait appelé le nocturne et qu'il dit Kegege. Non, mais déjà, même la voix il aurait reconnu. Ouais, ouais, c'est un mytho, c'est bon. Eh, ta grosse daronne. J'ai dit, eh, t'as mytho, nique ta mère. Je raccroche le. Ouais. Eh, j'ai pas le time, mon gars, c'est le crédit à Jérémy en plus. Ah mais comme il dit c'est moi qui pose les questions, vas-y, dis que ta mère mon gars. C'est lui qui a dit c'est moi qui pose les questions? Non mais ça va lui, 15 ans tu sais. Frère il est là, il veut mettre un coup de presse à moi. Il a cassé une dent, ça y est. Eh mec, il sait même pas qui il a parlé. Bah du coup voilà. Non, bah c'était le fake, au bout c'était fake, on est d'accord, c'était fake, vous voyez, le mec il me dit. Bah, ça, ouais, c'est bizarre quand même. Attends, moi je fais du bruit. On dit, prends notre appel. Et le mec qui était en colère avec nous, qui a dit, oh, il a pété une dent, Inch'Allah, il va te casser la deuxième vu que t'as mytho. Allez hop. Zoulette. Oui. Zoulette. Ah, bonjour. Ça faisait longtemps. Ah, salut. Oui. Ça oui. Va quoi? Ah ouais, c'est bon, j'ai réglé le problème. Ah. Ah, c'est bien. C'était quoi ton problème? C'était que le son s'enlevait au bout de 2 minutes. Ah. Il faut enlever le son? Non, c'est son micro. Non, non, qui le bugait, son mais c'est bon. Se bloquait. Okay. C'est bon. Okay. Bon, bah alors, raconte-nous tout. Espèce de zoulette. Alors, je m'appelle Lorient. Ouais. Lorient. C'est pas trop mais... Ouais, Lorient. Comme la ville, mais s'écrit AN à la fin. Comme la ville. Comme les merlus. Non, Lorient, c'est L-A-U-R-I-A-N. Voilà. Ouais, mais Lorient, c'est les merlus. Ah bon? Ouais, c'est ça, A-N à la fin. Ah bon, ça va ouais. Genre, Lorient, c'est un poisson. Bah, genre, ouais, leur logo, c'est un poisson. Eh, chez toi, on t'appelle les merlus, non? Ah, le logo du Ah, mais j'habite pas là-bas, hein. Ouais, mais tu connais un peu Lorient si t'appelles Lorient. Ah non, mais en fait, non, pas du tout, il connaît pas, c'est juste qu'il s'appelle Lorient. Non, non, je connais la ville, mais non, non, j'habite pas là-bas. Cerveau cramé.
Oh, bah, c'est fait félicitations, c'est un garçon. Genre. Cocorico, les gens, c'est mon prénom. Non, mais Lorient, c'est un pseudo, non? Non, non, c'est mon prénom. Ah, ok. Bon, bah. C'est un mélange de deux prénoms. D'accord. Pour faire simple. Ok. D'accord. Tu as quel âge, du coup? J'ai 20 ans. Ouais. J'habite vers Nice, Toulon, enfin voilà, vers d'accord. Là-bas. Ouais. Ouais, c'est pas Lorient. Non, pas du tout. Et en fait, alors le problème, c'est. On va dire c'est assez compliqué, j'en ai parlé à pas mal de monde. Parce que même moi, je suis perdu. Un nouvel. T'as dit quoi, Une factorino. J'ai dit, en fait, j'ai un problème, mais c'est. Enfin, c'est pas compliqué à expliquer, mais c'est un peu bizarre et j'en ai parlé à pas mal de monde quand même. Mm-hmm. Bon, en gros, c'est. On va parler des filles pour changer un peu de sujet. T'inquiète, on nous a pas parlé de meufs, nous, depuis le début de la soirée. Ouais. Alors en fait ça fait bientôt un an que je parle à une fille, c'était sur internet, au départ c'était un peu au hasard que je lui ai parlé. D'accord. Et en fait au bout de 2-3 mois, même sans avoir encore vu sa tête, j'étais quand même un peu tombé amoureux d'elle. Ouais. Enfin de comment elle était et tout. Et après on s'est échangé nos Facebook et autres. Ouais. Et quelques mois après je lui ai avoué que je l'aimais, enfin je pouvais pas ne pas lui dire. D'accord. Et en gros, elle était un peu perdue parce qu'elle habite en Bretagne, ce qui fait à peu près plus de 1200 km entre nous, tu vois. Ouais. Lorient en Bretagne, non? C'est pas loin. C'est vrai, oui, Lorient c'est en Bretagne, mais lui il est pas en Lorient. Non. Il s'appelle juste Lorient. C'est ça, t'as compris? Exact. Maintenant, c'est bon. Non, mais personne s'appelle Lorient, arrête. Non, bah, moi je m'appelle pas Nantes. Non, non, il y en a trois en France, je crois. C'est comme s'il appelle. Allô, je m'appelle Dijon. Non, vas-y, continue frérot, elle habite en Bretagne. Ouais, elle habite en Bretagne et bon, en gros, je lui ai avoué ce sentiment, mais elle savait pas trop avec les distances et autres. Et ça fait un mois qu'on parle de se voir en fait, et du coup, elle vient, elle arrive samedi soir. Là, elle arrive samedi là. Ouais, chez moi, pendant mais elle savait une pas semaine. Trop quoi, t'as dit, de ses sentiments. Ouais, et en fait, le truc, c'est que j'ai su qu'elle s'est mise en couple il y a 3 semaines. Ah. Et du coup, c'est une fois qu'elle est en couple qu'elle vient de voir cette salope. Bah, en fait, elle vient quand même me voir parce qu'elle est quand même contente de me voir et tout. Mais le problème, c'est que. Je suis perdu quoi. Ouais, bah après, elle est quand même curieuse, je pense. De te voir en vrai. Oh la grosse salope, j'en peux pas. Ah, bah oui, c'est ce qu'elle me dit. Mais du coup, je suis quand même perdu. Enfin. Quelqu'un de. Quelqu'un d'égoïste tenterait la chose quand même, tu vois. C'est toi, tu vois. Quoi Tchatcha. Ouais, mais après je pense que je vais essayer, mais je vais pas faire le lourd au début, enfin, c'est sûr. Non, mais le lourd, de toute façon, tu la reverras pas avant 1000 ans, hein. Ouais, moi je trouve quand même que... C'est vrai. Parce qu'elle, elle sera curieuse, enfin, elle vient te voir et je pense que quand même, elle a dans un coin de sa tête l'idée de, genre, je le découvre en mode, est-ce qu'il pourrait me plaire, tu vois. Après, t'es loin, pourquoi, t'es loin cas, comparé à son mec, mais bon. Ça fait un an qu'il se connaît, ça va le voir comme par hasard au moment où elle se met en couple. C'est un peu louche, hein. Bah oui, c'est ça ce que je trouve bizarre. En plus, elle me l'a pas dit parce qu'elle savait pas comment me le dire, apparemment. Et je l'ai su parce que. Enfin, parce que sa mère voulait appeler la mienne pour savoir chez qui elle allait. Donc, bon, c'est un peu compliqué, tu vois. Elle va quand même pas taper 10 heures de train pour lui taper la bise. Bon, c'est pas lui qui l'a fait les 10 heures de train. J'espère pas, mais. Tant que c'est elle qui l'a fait. Là, j'ai peur. Va. Ah ouais, c'est elle qui fait les 10 heures de train, on voit aux œufs pour toi, hein. Elle vient en avion, mais ouais, c'est ça. Mais vous vous draguiez ou pas un peu avant qu'elle soit en couple, je veux dire. Ou même pendant qu'elle se... Enfin... Elle savait, enfin elle sait depuis très très longtemps ce que je ressens, du coup oui, enfin oui et non. Parce que moi je sais pas ce qu'elle ressent, elle m'a jamais vraiment dit. Ouais, mais tu le sais si elle te drague ou pas, non? Pas vraiment, non. ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Ouais, déjà, si elle passe le plus clair de son temps à te parler... Ah ouais, non, c'est comme ça depuis le début. Ah ouais. Si elle place le plus clair de son temps à te parler, c'est que déjà elle est attirée par toi. Elle aime ta compagnie. Moi, il y a très peu de gens à qui voilà, je bah parle à 24 que j'ai pas. Après, il y a aimer la compagnie et friendzone après. Je sais pas. Donc. Tu vois, enfin, un ami, ouais, je sais pas. Demande-lui clairement, hein. Ah, mais je lui ai demandé clairement plusieurs fois, mais en fait, elle sait pas. Enfin, je lui ai demandé si c'était par rapport à la distance qu'elle savait pas ou autre. Elle m'a dit à ça, et après elle m'a dit que bon, elle était en couple. Mais
Du coup, à part distance, elle m'a pas dit s'il y avait autre chose. Mais tente hein, ce week-end. Tu veux qu'on l'appelle? Je sais pas si elle est encore réveillée. Attends, on la goteste tout de suite, elle a vu, on l'appelle. J'ai fait... ah, si vous voulez, hein. Enfin, on l'appelle, moi je parle pas. Ah ouais, tu viens de te rendre compte que t'allais parler une meuf là, non? Je suis en train de me dire, ouais, vas-y, je me rends compte que c'était une meuf. Pfff, je vais avoir des emmerdes aussi, donc je t'en... faut juste que je réfléchisse à ce que je vais lui dire. Toi, Marine, elle te laisse ou c'est comment? Marine, elle est pas là, donc c'est bon. Ah, c'est chaud, frère, ça tombe sur le record. C'est-à-dire, en plus, t'as fait dans son dos, c'est vénère. J'ai rien fait, moi. J'appelle sa pote qui va faire 10 heures de temps. Sa future meuf. Si toi elle est ok, ça va, moi elle est pas ok. Du coup, le numéro, je l'envoie. Okay, ouais, tu le donnes à Eclipse TV, ouais. Elle est juste mais tu vas lui dire quoi? Attends, ouais, faut savoir ce qu'on va lui dire. Ouais, parce que. Attends, il s'appelle comment? Ouais, mais. Ah, il s'appelle comment? Allô, Lorient. Allô, je suis un ami de Lorient. Ouais, je suis un ami de Lorient. Je t'appelle parce qu'il voudrait t'avouer ses sentiments, mais. Non, mais je lui ai dit. Tu dis, voilà, bon. Il m'a parlé un petit peu de ce qu'il ressentait pour toi, etc. Qu'est-ce que t'attends voilà. Ce week-end? Du coup, bon, j'ai fouillé dans son téléphone et j'ai pris ton numéro. Moi, à sa place, jamais je donne le numéro. Non, go, encore. Ah bah, trop tard, j'ai fait. C'est quoi? C'est un enculé, lui, il a dit trop tard. Moi, lui, s'en bat les couilles, il a plus rien à perdre. Non, mais franchement, ouais, tu veux qu'on le dise quoi? Moi, je vais te dire. Moi, je peux pas le dire, mais tu diras pour moi. Je ne parle pas. Ta meuf, elle est haut. Elle est même pas haut. Non. Attends, laisse-nous réfléchir, connard. Juste appeler cet enfoiré de noir. Laisse-nous réfléchir. Donc ta meuf, tu dis. C'est mon pas habitude d'appeler que. Mais moi, j'ai pas. Mais moi, j'ai pas. Non, mais moi, j'ai pas. Réexplique-moi l'histoire parce que Lorient, moi, j'ai resté bugué sur son nom au début, donc j'ai pas compris l'histoire. En gros, ça fait un an il la chat et là, voilà, ils vont se voir. Bah, c'est voilà. Et elle a un mec. Et, ça fait 3 semaines qu'elle est en couple. Un mec et tchon, pourquoi elle va le voir alors? J'en sais, du coup, voilà, c'est là le but de la personne. C'est pour ça que je suis perdu en fait. Du coup, tu vas appeler, tu vas dire voilà, regarde, c'est quoi le scénario? Tu dis ouais. Ouais, mais là, l'histoire elle est bizarre quand même. Hein. Écoute, on s'en fout, c'est elle qui se déplace, lui, il perd rien, toi. Donc, du coup, je vais chercher la gare. Là, c'est l'occasion d'essayer de sortir un frère. Tu veux lui dire quoi du coup? Bah, donc tu l'appelles. Non, mais c'est pour non, ça. Non, mais déjà, par rapport à. On s'en fout de la règle, c'est con. Mais tout à l'heure, on a déjà réglé le problème tout seul. T'es content aussi ou quoi? Non, mais je vais pas lui dire des trucs. Mais si, il s'en bat les il a dit tiens le numéro. Elle a dit tchou, tu vois. Et lui, il a moins de. Non, je peux faire ce que tu veux de. Et comment elle s'appelle? Margot. Margot. Tchon. Après, je suis pas sûr qu'elles soient encore réveillées, mais on peut tenter. Du coup, tu dis voilà. En gros, juste, tu dis ce que tu veux. Mais le scénario, c'est que t'es un pote à Lorient. Lorient, il t'a raconté un petit peu l'histoire. Il est un peu perdu. Et que t'as fouillé dans son tel. T'as pris son numéro. Il est pas au courant. Et t'essaies de savoir ce qui se passe. Voilà, bon, okay. Après, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais après, elle le sait déjà que je l'aime. Hein. Après, elle sait déjà que lui, il l'aime. Allô, Margot. Oh. Allô, Margot. <T'as bien. rire> on appelle ou pas, les mecs? Bah oui, on l'appelle. Et elle sait déjà que lui, il l'aime, par contre. Elle est déjà au courant. Elle le sait déjà. Ouais. Du coup, voilà. Bah, imagine, elle dit des trucs de ouf. Là, on s'en bat les couilles. Tu vois. C'est pas grave, moi, j'ai rien à perdre. Et moi, je veux juste. Et bon, là, attends, t'as pas. Elle connaît un pote? Non, elle connaît pas. Bon, bah. Dis-moi le nom de tes potes. Bah, attends. Non. Bah, attends, toi, t'appelles Lorient. T'as forcément un pote qui doit s'appeler Grenoble ou un truc comme ça. Allo, Margot. Non, je plaisante. Vas-y, balance. Elle a dit que t'appelles Jackson. Je m'appelle Jackson. De toute façon, il connaît aucun de mes potes. Ouais, tout le monde connaît un Julien. J'ai toujours un Julien. Julien, c'est un mec qui bosse chez Carglass. Ouais, c'est un mec bien. Je monte mon mic. Et bon, là, moi j'ai pas parlé. Hé chérie, si tu m'entends, j'ai rien fait. Tu vois. Quoi. Faut pas que je le regarde lui et faut pas que je dise le chat. Elle dort cette pute. Ou alors elle fait autre chose. Tchao. Ah, ça n'est pas là. Ah, dommage. Ah, non, elle a peut-être peur des c'est notre problème. Elle a peut-être peur des inconnus. Mais c'est ça le problème en fait. Ah, ben, force, moi je réponds pas. Moi les on devrait être une personne naturelle. Je réponds pas moi. Appel inconnu une fois, tu dis ouais, peut-être un mec chelou, il se trompe. Mais quand ça rappelle 2-3 fois, c'est qu'il y a quelque chose. Vas-y, rappel. Vas-y, Pefut, t'es chaud. Vas-y, c'est parti. 1, 2, go. Allo, Margot. Margot. Tu vois. Moi je réponds jamais aux appels inconnus en vrai. Tu réponds pas aux appels inconnus. Si, l'appel inconnu ça peut être le taf et tout. Moi je réponds. Personne n'appelle en vrai. Allô. Allô Margot. Allô.
Allô, allô? Allô, Margot? Miaou. En fait, elle a répondu, mais elle voulait entendre c'était qui. Vas-y, rappelle. Attends, comment... un gosse, ça fait miaou. T'es où? T'es obligé de la sortir. Dites direct un peu de Lorient, gueule. Parce que sinon elle va pas penser. Lorient, ta gueule. D'accord. Oh. Allô, Margot? Oui. Allô, Margot? Oui, c'est Margot. C'est le copain de Margot, non? Non. Bah, c'est Margot. Margot? Oui. Tu as donc un sexe? Effectivement, oui. Tu es le père de Margot? De taille considérable, hein, d'ailleurs. Ça va bien, toi? Tu serais aussi un comique, toi, non? Je voudrais parler à Margot, s'il te plaît. Margot est indisponible pour le moment. Margot est en train de se faire déboîter, mon pote. C'est ça? Ah ouais? Non, pas vraiment, non. Mais elle est où, Margot? Dans les bois, je cherche des petits enfants. Là. Tu t'as pas une idée où je peux en trouver? Non, mais elle est où, Margot? Ouais, c'est fou. Ils cherchent des enfants. Ta mère la pute! Eh, hey, ta grosse daronne la tchouin, forgala, fils de chien! Vas-y, on se fait niquer, ta grosse. Non, mais c'est quoi ce genre? Moi, j'arrête chatte. Cette émission. Tiens? Lorient, tu me donnes un faux numéro ou t'es un enculé? Attends, mais. Mais je viens lui envoyer un message juste avant, ça peut pas être un mauvais numéro, attends. Je revérifie. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Raccroche, non, Jackson. Ça, non, mais lui, ça se voyait, c'était fake, parce qu'il disait. Tu lui disais enfin. Non, non, mais c'est pas fake. Un autre mec, il aurait pas fait ça. En vrai, si, des fois, je le fais. Non, mais regarde, c'est le bon numéro, hein. Je te jure, j'ai envoyé un message juste avant. C'est noir. Pas possible. Ouais, putain, j'étais chaud là. Attends, j'avoue. Non, mais je peux pas dire dans le chat. Allô, Margot? Si, dis-le, vas-y, comme ça tu sens de l'appeler Margot qu'il a niqué sa mère. Non, c'est pas bien, ça. Alors il a fait... Ah, lui là? Ah ouais, vas-y, donne. Non, donne pas, parce qu'on va non, mais... avoir des problèmes. Non, mais t'imagines... C'est pas un fake, là, je viens de t'envoyer un message. Mais attends, je te pose une question, t'es pédé ou pas, en fait? Ah, t'es gay? Non, mais non. Margot, c'est une femme? Bah oui. Tu l'as... T'es sûr ou pas? Mais c'est quoi le numéro que tu nous as donné, là? Ça fait bah, c'est le numéro que j'ai moi, hein. Non, mais... C'était son copain ou pas? Je sais pas, ça fait peut-être une demi-heure que je lui parle plus, mais c'est possible que ce soit son frère, oui. Non. Vas-y, rappelle. Vas-y, rappelle. Rappelle le bon numéro, là. Rappelle. Attends, frère, t'es sérieux, ça fait un an que tu tchatches un mec. Tu viens de t'en rendre mais compte. Mais non, j'ai fait des Skype de 2 heures avec elle, c'est pas possible, et je voyais sa tête. Ah, ouais, tu sais, les fake cam. C'est ça, tu t'es fait piéger. C'est bon, c'est bon. Putain, fais chier. Mais j'ai plus de batterie. Allô, c'est Quentin. Allô, Quentin. Ouais, ça fait longtemps, Quentin. Tu peux me passer Margot? Tu veux parler? Ouais, je voudrais bien parler à Margot, s'il te plaît. Tu te souviens, petit Quentin? Ça fait longtemps. Hein. Allez là. Allô, Margot. En train de se faire démolir. Oui. Allô, Margot. Oui. Excuse-moi de te déranger, je sais qu'il est un peu tard. Je voulais te parler d'un truc. Non. Non, il est pas tard, ça va? Ouais. Ouais, je voulais te parler d'un truc, tu connais Lorient? Enfin, pas, oui. pas la ville, hein. Oui. En fait, je suis un ami. Ouais, d'accord. Je suis un ami de Lorient. Non. Et en fait, Lorient sait pas que je t'ai appelé, donc ne lui dis pas. Mais en fait, je suis un peu son meilleur pote, donc du coup, on discute et tout. Et je t'avoue que ouais. Lorient, il a des sentiments pour toi, mais je pense que tu le sais, non? Ouais. T'es en train de faire quoi, Margot? Quoi? Je te dérange? Oh, un petit peu, ouais. Ah. Bon, bah. Mais tu fais quoi? Mais attends, mais. What the fuck? Loulou! T'es vraiment en train de se faire démolir la gueule. Allô. Tu peux pas rappeler plus tard? Bon, je te laisse finir, prends ta douche et je te rappelle. Mais non, mais... Ouais, ok. Non, mais j'avais vraiment besoin de te parler parce que Lorient, il est pas bien. Bon, bah Lorient, t'as confirmation, hein. Ah, attends, quoi t'as fait?
Putain, j'ai la haine. En plus, là je pense que j'aurais pu faire du bien là. Oh putain, là tu vas me dire, qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-là à faire essouffler comme ça. Désolé, Lorient, mais là. Non, je suis désolé, frérot, mais t'es en train de se faire. Là, elle faisait pas un poker ou une double-lotte là, moi je te le dis. Elle s'est fait déchirer, elle s'est fait destroy. Oi, oi, oi. Ça va, Lorient, ça va? Vite fait. Oh mec, il est amoureux. Quoi? Ça va vraiment ou pas? Ça... Bah, je sais pas si elle fait, mais bon, on va dire que ça va. Oh... Ah, c'est horrible, vous êtes horrible, mais les gars. Lorient, t'inquiète, je vais la rappeler, je vais... Attends, tu sais ce que... Pleure, mon bébé, pleure. T'as jamais vu le Vine? Pleure, ça fait du bien. Pleure. Ah oui, avec le petit clip, c'est vraiment mal. On est des enculés! Oh, mais fou de bâtard! Culé! Oh, Lorient, ça va ou quoi? Ouais, on va dire ça. Eh hey, frérot, on rigole, nique sa mère! Eh hey, Margot! Non, mais je rigole, mais. Margot! Rigole, rigole! Ça va! Il veut pas, hein! Eh hey, frérot! Cool. Putain, bref, j'ai envie de la rappeler, la vérité! A... Maladie, elle a dit, on la rappelle après! C'est quoi? On la rappelle avant la fin de l'émission, ok frérot? Non mais peut-être qu'elle faisait un golf avec son frère, hein, rien de... Ouais, mais peut-être qu'elle jouait à la belote. Ouais, peut-être qu'elle jouait à Wii Sport, tu sais pas, petite partie de tennis tranquille. Avec... C'est pas une situation ambiguë là, qu'on vient de vivre, hein. Ouais, je sais pas. Lorient, c'est quoi? On te reprend, reste sur le truc, on te reprend vers 23h50. Ouais. Comme ça, Dans 20 minutes, ouais. Et puis on essaiera de... On te reprend, ok frérot? On essaiera de reprendre... Ok, merci. Et alors, t'es là? Non, ouais, ouais. Non, fais pas ça! Ta gueule! si être SMS, tu fais genre l'air de rien, t'es pas au courant. Ouais, réponds pas! Ah oui! Allo, c'est les jambes de PFU, c'est abonné! Merci frérot! Ok gros! Non, je répondrai pas. Soum, ouais, okay. Fais le mec qui dort! Tchou! Putain, j'ai cru que t'allais lui dire que sa copine était. Ouais. Oh, Margot, c'est le chou! Ah, ouais, ça va, il a nettoyé son image. D'abord, un peu, il allait passer pour un PD à gérer un Margot masculin, donc. Ah, elle était vraiment en train de se faire démolir la Margot là. Je pense, ouais. Elle rigolait et tout en plus. Ouais, ça rigolait. Elle était pas bien. J'ai dit Lorient. Tu réponds au téléphone, toi, quand tu baises. J'avoue que c'était dégommé, mais c'était même pas par son mec. Parce que quand t'as dit Laurent, il est amoureux de toi, genre l'autre, c'est rigolé là. Allo. Allo. Wesh. Pourquoi on m'avait appelé? Allo? Pourquoi on m'avait appelé sur mon téléphone? Parce que je viens de me rendre compte en fait. Ah, c'est toi qui viens de péter. Bah en fait, tu t'es pas rendu compte que tu nous as appelé il y a deux jours, tu pètes des dents, mais tu sais pas on est qui. Mais qui mais qui si t'étais là hier, ouais, tu sais. Vas-y, Nick Taras. Tu parles à moi? Ouais, c'est le champion du monde de boxe, attention. Allo Mike? Et... Mike Tyson? Ouais. C'est toi? Ça va mal finir, vas-y, tu vas faire quoi? Bon. Mais frère, il appelle pour faire nerveux ici, je suis pas là pour répondre à des mecs qui font les nerveux. Mais on met ça au clair, tranquille, non pas. On met ça au clair, ouais. Et pourquoi tu veux te battre avec la planète entière? C'est pas ton problème. Moi t'es mort, je suis pas ton pote, moi. Je parle pas au mytho, moi, les mecs qui s'inventent des villes. Ouais, c'est bon, allez, cassez-vous, on a fou, dédicace trop bâtard de leur mort. Ouais, ferme ta gueule, dégage-le, ce fils de pute. Ouais, mais mec, c'est fou, il a fait sa blague, il est content, il est passé devant ses trois potes du quartier là, il est en mode oh, je suis un thug, t'es une merde. Chut. Après, il a dit, ouais, il veut mettre des coups de presse à moi, frère. Il a dit, ça va mal finir. Frère, ça va mal finir. Ça va mal finir, gros. Le dernier qui a dit ça à Noah, il a enfoncé le voisin dans le mur. Heureusement, je suis venu le bloquer, je fais attends, je m'en fous. Allo? Allo? T'en as fait un bon coup en plus, non? Ouais, désolé. Ah, ah oui. On t'excuse, frérot, ça va ou quoi? Ouais, toi. Alhamdulillah. Ouais, je crois que c'est l'émotion de l'appel tout à l'heure. Quel appel? C'est qui lui? Attends, c'est mais le mec qui a perdu une dent là? Non, de l'appel que vous avez passé tout à l'heure, vous. Ah. Ah d'accord. Il est encore en train de rigoler ce bâtard. Qui ça? Ah, t'as kiffé Lorient, Margot? La salope. Allo? Putain, y'a un mec qui a dit Blackoon il fait le mec, mais en vrai c'est un Babtou. Ça veut dire quoi ça en vrai? T'es un Babtou mec. Ça veut dire quoi? Jackson, toi qui es noir, ça veut dire quoi? En vrai c'est un Babtou. Je sais pas frère. Babtou ça veut pas dire blanc? Ça veut dire blanc. D'ailleurs toi t'es un blanc. En vrai je suis un blanc, ça veut dire quoi? T'es un blanc mec. Ça veut rien dire. C'est vrai j'ai l'air blanc? Pas trop. Peut-être que je te confierai pas mes gosses quoi.
quoi. Vas-y, raconte-nous tout du coup. Mais il est là ou il est pas là? Ah, oui, il est là, on l'a. Il y a Mounir dans le chat. Est-ce que tu as remis tes émotions? Je suis parti. Mais non, j'essayais de lui faire une petite blague, il a pas capté. Oh, allô? Ah, il déco? Ah, merde, il a bugué. Tu es. Friendzone. Ah putain. Ah, moi je suis pressé de rappeler Margot là. Ah, ouais. Ça veut dire européen. Archipel Black Queen. Ok. Il y a que Eternal qui prend son rôle en sérieux. Bah pourtant, détrompe-toi. Tu rigoles ou quoi? Bah, parce que, la personne de nous trois qui a reçu le plus de remerciements. C'est vrai, c'est vrai. ça m'a foutu le seum. C'est Bibi. Non, ouais. Ça veut pas dire fragile, Babtou. Non, Babtou, ça veut dire blanc. Babtou, c'est blanc. Après, il y a Babtou fragile qui veut dire blanc fragile. Voilà. Voilà. Ou adolescent c'est qui pas, passe dans Pascal le grand frère. Mais le chat, il est full con. Hein. Le chat, il est full con. Faut pas faire attention à cela. C'est beaucoup trop on fire ce soir, PFU. Ah, bof, PFU, tu. Babtou, ça veut dire gibs, ils ont dit dans le chat. Allô. 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 Pas dans la gorge le micro hein. Je crois qu'il faut que tu recules un petit peu de ton mic hein. Ok ouais, ça va ou quoi? Ah là c'est bon là. Ça va, ça va. Comment tu vas? Présente-toi. Du coup moi je m'appelle Jean Mouloud. Jean Mouloud. J'ai 24 ans. T'as chanté tout un peu de notre gueule mais continue. Comme dans l'histoire. Non en vrai je reste anonyme du coup je dis un pseudo. Ah ok. Ok Jean. Ah d'accord. Du coup mon problème c'est... En gros, je voulais me poser une question, si savoir si j'étais bisexuel ou pas. Si c'était grave. Bisexuel. Mais attends, c'est quoi la question? Et en ah, gros, tu peux savoir si tu es bisexuel ou pas? Oui. En gros, j'ai été attiré par une meuf. Ouais. Et en même temps, j'étais attiré aussi par un autre mec. Mais tu te vois en couple avec... Enfin, je sais pas, alors le problème c'est ça. Est-ce que tu te vois en couple avec un garçon? Ouais. Bah écoute, j'ai envie de te dire oui alors. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tu nous as ramené ça? Et du coup... Ouais, non vas-y, je t'écoute, hein, vas-y. Je veux aussi poser une question, c'est savoir en fait... Enfin, tomber amoureux, parce que je suis jamais tombé amoureuse, et savoir en fait... un peu comment c'est en fait. C'est de la merde. Non, en gros, bah tu penses à la personne tout le temps. T'as des papillons dans le ventre. Ouais, genre, tu payes le popcorn, tu payes le ciné 20 euros plus le popcorn, tout ça. Tu deviens complètement débile devant. Tu veux te faire faire le trou de balle. Rigole pas. Mais en gros, ouais, enfin c'est une forte attirance pour quelqu'un constante quoi. Genre la passion, tout ça. C'est difficile à décrire, en fait. Attends, Blackoon, t'es amoureux, raconte. Pardon. Reviens parmi nous, Blackoon. Raconte ce que c'est d'être amoureux. C'est pas prendre dans le cul, en tout cas. Ah, quoi, t'es amoureux, c'est que t'es prêt à faire passer une personne avant tout, faire des sacrifices ouais. Pour elle, même s'il y a des trucs qui te font chier, bah tu t'en fous, tu les supportes parce que ça lui fait plaisir, ou tu prends sur toi pour pas la blesser. C'est vrai. Plein de choses comme ça, quoi. C'est ça, l'amour. L'amour. Mais tu le sauras quand tu tomberas amoureux, hein, t'inquiète pas. Quand tu penses à quelqu'un en permanence. Je crois. Je sais pas pour les autres. T'es perdu? Pfu, tu n'as pas l'air de penser à ça. Si, t'es tombé amoureux, Pfu, dans ta vie. Bah, je suis amoureux, moi. Ah ouais, t'es in love de Marine. Raconte. Elle doit être rentrée de soirée là donc. Elle était en soirée. Non, mais elle est avec ses potes, tranquille. Moi j'ai confiance. Pote masculin ou féminin? Aussi, toi. Avec le mec qui fait de la boxe là, elle est. Non, je veux rien dire, c'est je respecte la meuf des rails. Je tiens. C'est mieux. Oh, mais du coup aussi, je voulais réagir en fait sur le fait que c'est vrai que, comment dire, Blackoom a tendance à donner moins de conseils, mais des conseils pertinents en fait.
Ah, parce que moi c'est pas pertinent. Ah, bon, oh, je suis mort. Ah, oh, je suis mort. Ah, mais plus... Monsieur a parlé. Ah, moi je dis rien. Moi je dis rien. Voilà. Très voilà, bien. Moi, je... Voilà. Y'a pas de problème. Tu peux raccrocher Jackson, s'il te plaît. Non, mais garde-le. Garde-le. Il a l'air de vouloir. En vrai, c'est internet que t'écoutes beaucoup, mais souvent tes conseils sont un peu. Comment dire, évasifs. Tu rigoles ou quoi? Oh, t'es un enculé toi, la seule qui. C'est la seule qui te prend au sérieux et tu dis. Ouais, alors, moi aussi c'est pas cool. Moi je prends au sérieux quand je dis des conseils, elle apprend au sérieux tout le temps. Oui, oui, non, mais c'est ça, je dis ça, c'est trop évasif. Enfin, c'est le premier qui dit ça quand même. Bah, tant mieux pour nous. Enfin, tant mieux pour toi. Regarde le chat, il est full Blackoon. Eh ouais, mon gars. Team Blackoon. C'est pas vrai. Bon, bah, ok, mais bonne soirée alors. Vas-y, à jamais. Je vends du Team. Grâce à toi, grâce à toi, Eternal, ça va devenir une grosse conne. Non, je dis pas qu'elle est conne. Non, c'est pas très cool ce qu'il a dit, moi. Non, et aussi, le gros de tout à l'heure, là. Je lui conseille de faire le régime du camp. Le régime du camp. J'ai perdu 17 kilos, du coup... T'as perdu combien? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? 17 kilos. 17 kilos, ouais. Bande de suceurs. Putain, vous avez vu? Vous avez vu comment c'est? En fait, c'est pire qu'une secte. Il vous dit de faire un truc, vous le faites direct. Ouais, c'est clair. Oh là là, vraiment deux de QI, hein. Ça parle du mec qui a la casquette, mais regardez, regardez, vous vous arrêtez pas en plus. Jamais. Putain, deux de QI dans le chat. Le même QI que lui là. J'ai pas le temps tendu là. Ah, ça c'est vraiment mon pote. Ah, t'as perdu 17 kilos? Ouais. T'as fait du vélo elliptique? Non, j'ai presque pas fait de sport. De la tectonique? J'ai principalement fait de la muscu. Ouais, la muscu ça aide, mais t'as fait du cardio, non? Non, même pas. Toi, tu réagis pas tant, mais bon, casse-toi. J'avoue, j'avais pas entendu non plus. C'était drôle. C'était drôle, mais personne rigole. J'avoue, non, c'était drôle, pour le coup, c'est drôle. Et t'as fait quoi? T'as fait du cardio? Non, même pas, juste de la muscu en fait. T'as poussé la fonte? Oui, exactement. Bah, lourd, hein, franchement. Tant mieux alors, tant mieux pour toi. Et mais ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Le mec, on. Mais après, je sais pas. Il a besoin d'être suivi, tu vois. Pas tant que ça de perdre. Bah faire de la muscu, ça fait pas tant que ça de perdre, si. Non, je crois pas. C'est plus le cardio qui fait perdre. Ah ouais, c'est le cardio qui fait perdre. Tu. C'est pour ça. T'as perdu 17 kilos en poussant de la fonte, je sais pas. Si, si, parce que tu peux faire de la fonte, c'est en mode cardio. C'est genre tu, pas en prise de masse, genre dire, ouais. Tu portes pas beaucoup mais tu fais des longues séries, ouais, tu vois. Ouais. Donc ça marche aussi. Viens, on fait du vélo elliptique au moins. Vas-y gros, moi je vais commencer le vélo elliptique. En vrai, tu peux faire du cardio avec de la muscu. Genre en gros, si ton. En fait, tu calcules par rapport à ta masse, peut-être par rapport à ton poids max. Genre tu pousses, je sais pas, on va dire au pec, ta poussée max c'est 80 kilos. Bah, si tu veux prendre en masse musculaire, genre tu vas faire des séries de 10, 15. Soit tu fais des séries plus longues pour prendre de la masse, soit tu pour perdre, tu fais des séries plus courtes. Si tu veux faire d'endurance, tu vas faire des séries de 20, 25 à 40 kilos par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre à 50, 60%. Mais du coup, t'en fais 20, 25. Mm. Et tu fais 4, 5, 7 comme ça. Fais ça. Oui, mon pote. Ah, ah, ah. T'es grand sportif, hein. Excuse-nous, Thibault Nchep. Non, mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'y connais rien. Merci à toi, gros. Merci. Ciao, frérot. Yeah, salut. Bonne soirée. Hey, mon frère. Hey, salut, mon pote. Hey, mon pote. Voilà, le chat me dénigre. Go, Margot, vas-y, on appelle Margot, direct. Non, attends. On a encore le temps de prendre un appel avant Margot. Ouais, un dernier. Il est à peine 44. Hey, Margot, elle a le temps de prendre autre chose, hein, si on se fait... Non, on part dans son sens. Justement, elle aura fini. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, mais du coup, bah, elle va pas décrocher, c'est en train de prendre quelque chose. Ouais, c'est vrai. Mais laisse-la. L'appel d'après. Bon, prends-nous le plus rigolo de tous, là. Oh putain. Oh putain. La gueule de Jackson veut tout dire, je suis pressé. Vas-y. Il est au fond là? Il est dans le gouffre? Ah, il a déco. Les molettes péfutes, voilà, c'est plus les molettes péfutes. En tout cas, si vous êtes pas passé ce soir, vous pouvez passer lundi, donc soyez là et y a pas de problème, hein. C'est pas parce que vous êtes pas passé une fois que vous pouvez pas revenir. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Allô? Allô? Alors ouais, alors moi j'ai une histoire. Ah oui, lui là. Ouais, vas-y, n'hésite pas. Ah, non, tout de suite, j'ai vu, moi je vais très vite. Non, mais en fait, je parlais à une meuf, genre ça faisait une semaine, trois semaines. C'est le Québécois. Et. Oui. Non, je suis pas Québécois, je viens de Pauillac. Ah, mais tu te présentes pas, direct, tap, tu. Tu vas trop vite. Non, mais parce que mon histoire elle est un peu longue. Demain j'ai cours et tout.
faut que si à tout moment ma daronne a pu rentrer mais tu grandes gifles dans la bouche. Ok ok vas-y vas-y dépêche frérot, dépêche t'es tué. Vas-y on t'écoute. Non mais genre je parlais à une meuf, genre je commençais à m'attacher à elle et elle a voulu me faire la gueule mais moi j'ai pas accepté du coup. Du coup je l'ai enterré. Non, 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 mais genre, t'as vu, en plus, elle était pour Paris et tout, genre, ça a fait fondre mon petit cœur. On regardait les matchs ensemble et tout, oh. Et après... Ah, si t'as regardé le 600, c'est sûr que là, ça allait plus, là. Pas facile. Bon, attends, je lui parlais tout ça, elle a voulu me faire la gueule pendant une semaine, je lui ai dit, ouais, mais en fait, tu t'en bats les couilles de moi. Regarde. Elle m'a dit, c'est pas que je m'en bats les couilles, mais c'est qu'en ce moment, j'ai pas la tête à ça. Du coup, là, j'avais déjà envie de lui insulter ses enfants. J'ai dit, ouais, mais moi, je te... Voilà, un peu quand même. Et j'ai l'impression qu'il dit n'importe quoi. Mais... Je lui ai dit, je t'aime. Et elle m'a pas répondu. Ouais, moi aussi, je t'aime. Mais... Remets un coup. Mais là, pour l'instant, je m'en fous. Donc. Friendzone. Non, mais elle m'a pas friendzone. Elle m'a pas friendzone. Il va se calmer, Jackson. Elle m'a pas friendzone. Parce que je... À ce moment-là, ça se trouve, je suis en train de la déglinguer, mais quand même, m'a fait la gueule, je lui ai dit, ben on se parle plus, parce que m'a fait la gueule pendant une semaine, c'est bon, c'est trop. Moi, je vois que ta patience est... Moi, je comprends rien son histoire, du là, coup, oui. Moi, j'ai rien compris, par contre, ouais. Moi, j'ai juste compris, elle veut pas de toi, j'ai juste compris qu'il regardait les matchs avec sa meuf, pas du PSG. Elle veut de moi, en fait, elle veut de moi, mais elle était trop jalouse. Si elle voulait toi, elle serait avec toi, en fait. Oui, mais en fait, elle voulait de moi, elle allait me reparler, mais comme elle était trop jalouse, moi, je l'étais. Ah tu la tèges. Tu la tèges et là tu viens pleurer dans la nocturne. Ah non, moi tu je viens pas pleurer. Son je dois dire est-ce que non non, je dois dire est-ce que je vais lui reparler à elle parce que là en ce moment je parle à une pute. Donc est-ce que je reparle à elle ou je continue avec la pute? Si tu laisses la pute oui. Elle, ouais. Après bon c'est non, la pute parce que tu parles à Margot aussi. Je sais pas, c'est une Non mais ouais, je vais prendre l'avion là demain pour aller en Belgique. En pour fait, elle va pas aller voir. Non, il doit pas être bien. Pour aller la voir ? Non, pour la pute. Mais non, il parle de Margot. Non, mais en vrai, je parle à une meuf de mon lycée, genre, tu lui envoies 3-4 messages, ah c'est oui. Bon, voilà. Ah oui, oui, c'est oui. Terminé. Ah oui, 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 ah, la capoteuse de Margot. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais frérot, j'ai non, rien compris à ton non, histoire. C'est la capote usée de Margot. Ah, la capote usée. Non, mais en fait, je sais pas si je dois aller revoir la meuf à qui je parlais. Va voir Tarlel. Ouais, je vais voir Mahlel, mais maintenant, elle est en couple, sa mère. Il est chaud, lui. Bien vu, Jean-Edouard. Maintenant elle est en couple donc je fais quoi? Qui est en non couple? Mais putain mais voilà bah tu laisses tomber. Folle. Mais laisse tomber va voir là. Putain mais là, toutes les mêmes histoires quoi. Tchouin, tchouin, non mais maintenant elle est en couple. Tchouin tchouin. Quoi quoi quoi. Quoi quoi quoi. Ah, parce que genre j'ai un lycée il en manque pas des tchouins. Il en voilà bah alors va dans la tchouin tchouin. Tchouin tchouin. Tchouin tchouin. Quand elle sera plus en couple tu pourras aller la voir. De toute façon elle avait pas la tête à ça. Genre j'ai failli lui insulter ses ancêtres elle va quand même vouloir de moi. Non. Qui ça la pute? Il parle de qui hein? Non, non, l'autre. Non, non. Mais elle a déjà un mec, frère, elle se fout de elle a un mec, tu lui as insulté ses morts, je sais pas ce qu'elle foutrait avec gros. Toi. Eh, allô, eh, gros. Tu vois, tu vois, tu vois. Oh, ouais. Ah, ce que je te propose, c'est qu'on appelle Margot, ça va être beaucoup plus intéressant, je pense. T'es pas chaud? T'es pas chaud, on appelle Margot. Non, mais si, non, mais fais ça. Enfin, laisse tomber, hein, mec, genre, Non, mais laisse tomber, elle. Si elle est déjà en couple. Elle est en couple, et en plus de ça, tu lui as cassé les couilles, donc elle ne reviendra jamais vers toi. Ah ouais merde alors, parce qu'elle était fraîche quand même, elle avait un boulot apparemment. Ouais c'est pas grave, ouais mais on s'en bat les couilles en fait, quoi, quoi, voilà. Quoi quoi d'accord. Quoi quoi. Ouais, ça va, tu sais de parler des filles comme si c'était des objets, quoi, quoi, quoi. Ça va 5 quoi, quoi, quoi. Quoi, quoi, quoi. Bon vas-y bonne soirée, moi je vais en faire un tâche de est-ce que t'es de la team Kékéké? Je peux pas répondre à cette question. C'est bon ça veut dire oui. Ouais ciao frérot. Salut. J'ai rien compris à ton histoire. Ciao frérot. En plus, il a dit apparemment, c'était sa meuf. Enfin, bref. Alors, regarde s'il y a d'autres là pour qu'on rappelle Margot ou pas, sinon on fera un autre truc. Attends, il est là le mec? Vas-y, qui ça, Lorient? Mais Lorient, il a juste besoin de regarder le live, t'inquiète. Non, c'est pas la même, faut qu'on le ramène. Voilà. Ah, faut qu'il soit là. Bonjour. Ouais, Renaud, ouais, bonjour. Je suis là, bonjour. Allo, Lorient? Ouais, je suis là. Elle a pas envoyé de message? Non. Elle même a pas le temps là. Elle s'en bat les couilles, la salope. J'ai parlé un peu avec les gars du. De la nocturne sur ouais. Le chat vocal là. C'est pas une bonne idée ça. Il y a deux. Bah non, en vrai ça va, il y avait même une fille qui a eu la même histoire que moi donc elle m'a un peu expliqué donc ça va. Ok. Putain, il y a des meufs dans le chat d'en haut. Ah ouais? Ah cool! Et putain. Elles sont au milieu de 50 mecs. Oh putain. Oh, putain. Oh, la gueule, oh vas-y, on l'appelle alors. Ils sont aussi folles que Jackson. Tu vois. Tu vois. Par contre, tout à l'heure j'entendais quasiment pas ce qu'elle disait.
Ah ouais. Elles sont aussi folles. Bah tu coupe l'appel avec nous et mets le stream. Pardon Jax. T'appelles Margot là? Non, en même temps Jackson, en vrai t'es un petit peu fofolle depuis qu'on t'a donné le chat. Non mais en vrai t'es un petit peu une petite fofolle depuis qu'on t'a donné le chat. Ouais mais t'es masculinement une petite fofolle quoi. Vraiment chelou. Tu coupe Jackson. Vas-y, on appelle Margot. Ah vas-y, on va appeler Margot parce que je sais pas ce qu'il me raconte. Blackwood. Eh, coupe Blackwood au pire. Coupe Blackwood, ouais, j'étais un bonhomme. T'es pas une petite fofolle? Il est dans sa sphère là. T'as vraiment embrouillé parce que je dis que t'es une petite fofolle? Mais c'est Péfut, c'est Péfut qui t'a donné au chat, frère. Moi j'ai pas fait. Ouais. Un mec qui aime pas les gays, genre, je pense que tu me vois comme une meuf assez facilement, tu vois. Pour un mec qui aime pas les gays, c'est bizarre. J'ai jamais dit que j'aimais pas les gays. Tu dis ouais, t'es une petite folle, tout ça. Mais alors, attends. Tu peux pas me dire ça comme ça. Vas-y, laisse Jackson tranquille, mon frère. Sans Jackson, y'a pas d'émission. On appelle, on appelle. J'ai jamais dit que je les aimais. On appelle Margot. On appelle Margot là. Jackson, t'es une petite foufolle, va. Foufolle, Jackson. On va te donner au chat. T'inquiète, le chat, tu vas montrer comment t'es un mec. T'es vraiment bizarre. On l'appelle, c'est parti. Eh, petite foufolle. Tiens, attends, encore en train de se faire désosser là, ça se trouve. J'espère que ma meuf regarde pas, elle va vraiment me faire insulter moi. Margot elle a autre chose à foutre. Mais si elle va décrocher. Rappelle, bonjour. J'attends qu'elle décroche. Il y a des Jackson la fofolle dans le chat. Ils sont bizarres dans le chat. Mais ils ont... le chat tu leur dis un truc, ils le répètent direct. Les moutons. Mais quand je vais avoir mon CDI, bande de fils de pute. Eh, hey, t'sais quoi, hey, vas-y, t'es stagiaire, active le mic, je prends la responsabilité. Dis ce que tu veux, frère. Eh, hey, tu parles à mon nom. Tu vois. Petite foufolle, là. Mais lève ton micro, toi. En plus, elle sonne, ça veut dire qu'elle dort pas. Mais ouais, elle est occupée, on a pris trop de temps. Bah non, elle a dit après, qu'elle va pas dormir. Ah mais elle venait de finir, fallait reprendre 10 minutes après. Rappelez. Enchaîne, elle va répondre. Eh, on s'en fout, fort sur max, rappelle. Qui sa mère. Encore une fois. Tant que ça sonne, tu rappelles. Jusqu'à ce qu'elle... Ouais, jusqu'à ce que ça soit vraiment sur messagerie. Direct, dès qu'elle éteint son tel, là on verra. Sale pute. La cage au folle. Il peut vous bannir, hein. Ah, c'est mort Margot, fallait pas la lâcher tout à l'heure. C'est quoi ça la cage au folle? Mais la cage au folle tu connais pas? C'est un film. C'est un film de PD. Pas de Depp. Je sais même pas si c'est un film de Depp mais... Ouais c'est un truc comme ça, c'est un film à l'ancienne. Mais oui. Tu connais pas la cage au folle? Non. T'as jamais entendu? Enfin, j'aime bien Louis de Funès, j'aime pas mal ces films. Fantomas, la soupe aux choux. La soupe aux choux c'est le feu. Putain mais elle répond plus. Allo Margot. Ouais ce micro il fait que de tomber, il me casse les couilles là. Vas-y une dernière fois Margot là. Mais pourquoi vous m'avez donné le micro qui tombe, la bande d'enculés là, c'est du racisme. Il y a deux blancs, un arabe et c'est l'arabe qui a le micro pété. Regardez le chat, regardez, je le monte. Margot elle va m'insulter ma daronne. Il descend, le micro il descend tout seul. Et... Je crois que ça vient de décrocher. Tu vois. Non, elle va pas décrocher, c'est mort. Tu vois. On lui a toujours dit de pas parler la bouche pleine. Tu vois. Oh, le petit vent frais là qui passe. Oh. Vous avez pas des Margot dans le chat à nous donner là? Mais Margot, c'est pas OT. Si, c'est AUX, non? Ça dépend. Ça peut être OT, ça peut être AUX. Vas-y, on reprend quelqu'un d'autre. Après, on essaie de retourner sur Margot et. Retourner sur Margot, il y a déjà quelqu'un, je pense. Arrête, t'as déjà des emmerdes, j'ai pas dit ça. Je veux pas d'emmerdes. Vas-y, un dernier appel, Jackson. Non, on prend quelqu'un d'autre. Sinon, on appelle Benjamin, ça marche toujours, c'est la fin de soirée. Ok. Ah, ouais, bah, Lorient, salut, à tout à l'heure, frérot. Bisous. Ouais, merci. À tout de suite. Salut. J'ai envie de répondre, cette pute. Tiens. J'ai le lume d'une Margot, ils ont dit, c'est ouf. Les bâtards. Moi, je reste que pour Margot.
En vrai, on pourrait trouver des numéros marrants si j'allumais mon vieux téléphone. Allume. Ça fait veiller chez moi. Alors, ça doit faire peut-être. Va le chercher. Quoi comme numéro? Je sais pas, j'ai des numéros de. En gros, c'est mon téléphone où j'avais tous les numéros dedans. Quoi. Après, j'ai changé, j'ai eu celui-là. C'était un iPhone 4S. Je crois que je dois avoir peut-être 15 ans de numéro là-bas. Ah ouais? Ouais. Ça peut être drôle, ça. Ça peut être très drôle. Même des mecs, je leur parle même plus. Ou là, ils ont changé de numéro. Du coup, on peut rappeler sur quelqu'un qui a changé de numéro, on retombe sur un autre type. Dans tous les cas, on peut s'amuser. Ouais, ou alors on appelle un numéro au hasard, complètement au hasard. Ouais, mais pour lui dire quoi, ce truc? Ouais, du coup, re. Ah, re. C'est qui lui? C'est le mec tout à l'heure. Hein? Ouais, du coup. Allô? Allô, mon pote, ça va? Allô? Ouais. Du coup, c'était le mec de tout à l'heure. Lequel? Capitaine Dent? C'était celui qui est le. Jean-Moulot. La question sur la bisexualité. Oh, ah, voilà. Oui, d'accord. Ouais, du coup, je voulais m'excuser envers. Eterna. Je sais pas comment il se prononce. La meuf du fond, la meuf du fond. Ouais, la meuf. Eterna. Eterna, on va dire ça. On va dire ça. Et du coup, ouais, le mec de tout à l'heure, là, tu vois, qui parlait mal. La meuf, c'est vrai que c'était chaud quand même comment il parlait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai rien compris. Ah, mais toi, t'as un nouveau et tu reviens sur le comportement d'un mec de tout à l'heure. Non, il est passé tout à l'heure sur. C'est celui qui demandait s'il était bi. Ah. Ah, ok. Hein? Et du coup. Tu sais que j'avais raison sur le fait de mal parler aux mecs qui traitaient les meufs de pute et de et dire qu'elle avait un bon cul et c'était tout et machin. Enfin, voilà. L'autre tocard. Merci, frérot. Merci. Ouais, je te conseille de regarder le nouvel épisode de Prison Break, il est bien. Ah ouais, du coup. Putain, mais il y en a eu combien parce que... Non, mais faut pas dire parce que ça va spoil. Ouais, j'avoue que là, c'est mort. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est bon. Je sais même pas où j'en suis dans Prison Break. C'est pas la peine, je regarde le nouvel épisode, ils font un résumé des dernières saisons. Mais bon. Non, par contre, sur le hashtag La Nocturne, ça parle pas tant que ça ce soir. Ouais, en ce moment, vous parlez même plus sur le hashtag La Nocturne. Y'a quelqu'un. Prenez plus de screen. On rappelle Margot, quoi. Ça y est, vous nous détestez. Non, attends un peu, on prend quelqu'un d'autre, non? Au goût, en plus, tu veux. Bah, le truc, c'est que moi, je peux pas me permettre ce soir, par contre. De quoi? De traîner. C'est fini, quoi. Si, on est vrai. T'as peur de te faire tracer chez toi encore? Sinon, vous pouvez appeler une dernière personne. Benjamin. Bah, c'est Margot quoi. Bah, c'est Margot, si Margot marche pas. C'est Margot là, c'est toujours la grosse chouin. Désolé, je casse l'ambiance. Mais... grosse folle. Ouais, oh, Margot, la grosse folle. La grosse folasse. Ah, Jackson, la faux folle. je vais vendre une. Et ton micro, toi. Sur le chat, je vais vendre une Jackson, la faux folle. Jackson, la faux folle, s'il vous plaît. Jackson la faux folle sur le chat, je vous en supplie. Vous êtes un bâtard toi, la vérité. Vas-y Margot, elle va pas répondre. Jackson la faux folle. Bonjour, vous êtes sur le répondeur. Dommage, quand même. Pour faire bouger le hashtag la nocturne, je vais même faire un tweet, je vais faire un sondage Jackson la faux folle. Jackson. Oui, il va pas te lâcher là, Wiss. Oui. Moi je dis, vous êtes des putains de moutons, il vous dit un truc, vous le faites direct. Jackson la faux folle. Oh là là. C'est ce qu'on appelle. Moi je suis Team Jackson, moi. C'est vrai que vous pouvez nous follow sur les réseaux sociaux, hein, les gars, si vous voulez. En plus, je suis bientôt à 13 000 ou 14 500. Ah, Beko, on ne quitte pas l'émission tant qu'il n'a pas fini, il n'arrive pas à 13 000. Non, rappelle Margot, frérot. Je suis à 13 480. Jackson, moi, Margot, encore. Oh, la grosse foire, ça. Une petite dernière, ouais, ça a marché. Il faut pas personne qui follow. C'est grosse folle. C'est caguette. Mais bien sûr, Team Jackson. Comment t'écris Caguette? Même s'il veut nous caguette, abandonner. C'est cagette en fait. C'est C-A-G-E-D-T-E. Une cagette. Une cagette. Bah dis-nous un truc, Péfut. Non, parce que moi je vais dire un truc, vous allez dire les jambes de Péfut, bande de. Team Margot forever. Attends, je vais mettre hashtag la nocturne pour le sondage. Rappelle Margot, wesh. Hein? J'ai mis Jackson. T'es bizarre. Eh, sur le hashtag la nocturne là que vous voyez au-dessus, juste au-dessus de mon pied là, là où il y a mon pied, regardez, hop, c'est caché, comme ça vous voyez bien. Là où il y a mon pied, en plus vous voyez que je marche. Rappelle pas Margot, sur... wesh. Ah, tu marches sur la. Je veux des réponses. Elle va répondre sur la deuxième, c'est la bonne. Sur l'hashtag ou sur mon Twitter, ça te coûte rien, wesh. Vas-y, spam là cette grosse foi. Elle va répondre à maman. Oh, grosse foi là. Si elle répond maintenant, Jackson, tu fais la grosse folle au milieu là. Ah, Jackson, la grosse foulasse. Je vais voir ce que. Ah, ce rythme-là, elle a les béquilles demain, Margot, je te jure.
Ah va pas répondre hein. Moi j'attends, moi j'attends juste demander les votes du chat. Ah là là, grosse folasse qui en avance sur cette cagette. Eh bien d'accord, alors c'est quoi le résultat du sondage? Attends, je attends même pas c'est en cours. Jackson la faux-folle, c'était quoi le sondage? Interrogation. Ah, Jackson la faux-folle ou la Margot la cagette? La grosse folasse, cette cagette. Non, j'ai fait Jackson la faux-folle ou la grosse... Non, j'ai mis... Attends, j'ai mis Jackson la faux-folle. Et du coup, j'ai mis en réponse la grosse folasse ou cette cagette. T'aurais pu le arrobase, il aurait eu des abonnés en plus. Non, il a dit qu'il voulait pas. Jackson, Jackson, il est Jackson, pas là pour le buzz. Arrobase, il est là pour travailler. C'est Jackie. Gros mytho, il est en train de mettre... Jackson, une fois qu'il aura son CD, il en aura plus rien à branler. Il s'éclate là, Jackson. Est-ce que c'est la meilleure émission de ta vie? Jackson, malgré le fait qu'il fasse le mec, je sais qu'il... Ah! Tu sais que Jackson, il kiffe, t'as fait avec moi. Ah, moi je kiffe. Blackwood, c'est un bon. Ah, merci. Quand tu fais pas des allusions bizarres. Bâtard. Suis-y. Ah, et moi, bâtard. Espèce. Ouais, j'ai pas besoin de le citer, tu vois. Espèce de. Non, mais lui, il a un besoin d'attention là ce soir. Il fait la folasse là. Il fait la folasse. La team Blackwood. Plus je travaille avec lui, plus je le trouve bizarre, tu vois. Tu sais, il est sympa, mais il y a un truc qui. Il y a un truc qui. Tu sais, il y a un truc bizarre, tu vois. Comment ça? Il y a un truc qui cloche. Je sais pas, ouais. Oh, il y a un truc dans ma tête qui chute. Il est quelle heure là? Bon, les gars, ouais, bon week-end à tous. Ah, ouais, toi, t'es. Ah, oui, t'es. C'est un putain de gros bâtard. Ah, ouais. Non, mais lui, c'est un bâtard parce qu'il part en début de semaine et il y a la Ligue des Champions. Moi, je dois être là. Ça veut dire que je vais rater la Ligue des Champions. Lui, pendant, il est pas là tranquille. Ouais, moi, je suis avec madame. Tranquille. Mais moi, c'est mieux, c'est encore mieux que madame la Ligue des Champions. Toi, tu sais pas? Non. Si, tu vois, c'est que t'es pas amoureux. Ouais, je suis amoureux. Mais... Madame avant Ligue des Champions. Mais moi, madame, elle m'a laissé aller voir PSG Barça le jour de la Saint-Valentin parce qu'elle sait qu'il y a des priorités dans la vie, tu vois. Non, parce qu'elle, elle est amoureuse. Toi, t'aurais été encore plus amoureux qu'elle ne t'aime. Elle t'aurait dit non, bébé, t'inquiète, PSG Barça, je kiffe. Attends, je te kiffe plus. Je suis d'accord. Vas-y, il connaît pas, les gars. Bon, bah, c'était un plaisir de faire cette semaine avec vous. Ouais, en tout cas, fin cool. De la semaine, ce merci soir, à tous. Moi, normalement, je suis pas lundi, mardi, mercredi. Donc, ça va. Peut-être mercredi, du coup. Je suis mercredi, pas là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Du coup, on va vous dire ça tranquille. Lundi. Non, mais du coup, mercredi, j'essaierai d'être là pour de prendre le train pour revenir sur Paris pour la nocturne. Ouais. J'essaierai, mais je promets rien. Oh, tu vas faire une Dofus Cup, genre. Tu vas arriver à minuit et tu vas dire. Non, parce que. Genre, au pire, je sais tu pas. Nous fais un coup. Non, ouais, non, c'est chiant. J'essaierai de rentrer à temps, ne serait-ce que pour mercredi, juste pour la. Ok. Pour la mais Blackwood, ça mais je promets rien, mais j'essaie. Ouais, voilà, mais profite d'abord de ta copine. T'as dit que t'étais pas là mercredi, donc on verra. En tout cas, on verra qui nous remplace. On vous dira ça lundi. Quoi, donc soyez là quand même, ah de toute façon. Blackwood, j'espère que tu vas bien te vider l'esprit, hein, dis donc. Quoi. Moi, je suis un mec de la team. Il peut pas. Ouais. Allez. Allez. Des bisous. Allez, salut les mecs. Et demain vous les avez quand même en stream. Et moi je vous souhaite un super bon week-end. Des gros bisous à lundi 22h. Tchou.